Monsieur François Recanati, merci tout d'abord d'avoir accepté de revenir une cinquième fois pour nous parler aujourd'hui de manière plus particulière d'un de vos domaines de recherche, certainement le plus centraux et aussi un des domaines de recherche qui vous a accompagné très longtemps dans votre vie de chercheur. Il s'agit des rapports entre la sémantique et la pragmatique. S'il vous plaît, si vous avez la gentillesse de nous tracer déjà cette problématique. En fait, je l'aborderai volontiers à travers un thème, enfin une formulation que j'ai souvent utilisée, même depuis quasiment l'origine, si je puis parler ainsi. C'est la notion de niveau de sens, de nécessité de distinguer dans le sens des énoncés des niveaux différents. Là, il s'agit véritablement du langage, même si souvent les analyses proprement linguistiques, j'ai été tenté de les transposer dans l'appréhension de contenus non linguistiques, les contenus de pensée, etc. Là, il s'agit véritablement du langage. C'est dans le langage qu'on peut distinguer tous ces niveaux dont je vais parler. Et tout d'abord, je dois répéter ce que j'avais déjà dit, je crois, des premières séances, que mon point de départ était la critique d'une certaine approche, en fait, a été constamment et est toujours encore la critique d'une certaine approche, qui à l'époque semblait véritablement très critiquable. Aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être, elle le paraît moins, parce que dans le cadre finalement de cette approche, il y a eu des succès très considérables qui lui donnent une certaine légitimité. Mais en tout cas, à l'époque dont je parle, quand j'ai fait mes débuts, en quelque sorte, eh bien, ce n'était pas évident, disons, que la légitimité de l'approche en question n'était pas évidente. L'approche en question, à l'époque, je l'appelais le représentationnalisme. C'est sous ce nom-là que je l'ai critiqué, notamment dans mon premier livre, La transparence et l'énonciation. Et c'est une idée qui est assez séduisante au départ, qu'on va analyser le sens, notamment le sens des mots, au moyen de la notion de représentation, en disant qu'un mot, disons, signifie, ou un énoncé signifie quelque chose, s'il se rapporte à une réalité non linguistique. Donc le sens, c'est la mise en rapport de choses linguistiques, des mots, disons, avec des choses non linguistiques. Le sens, c'est la référence, si on veut, le fait que les mots renvoient aux choses, ou dans le cas d'énoncé complet, c'est ce qui permet de parler de vérité ou de fausseté, le fait que l'énoncé représente un état de choses du monde qui est réalisé ou non. Et dans cette dimension-là, c'est certain qu'elle est présente, qu'elle joue un rôle important, que le sens, c'est une dimension importante du sens, que la dimension représentationnelle le renvoie à la réalité. Et d'autre part, c'est une bonne idée, en fait, d'essayer d'asseoir une théorie sémantique là-dessus, parce que c'est finalement la chose la plus robuste, la plus tangible, la plus palpable, les autres notions étant plus raffinées, mais beaucoup plus difficiles à appréhender. Donc, essayer de faire une sémantique, une théorie du sens à partir de là, semble une bonne idée, et de fait, comme je l'indiquais, ça a donné des résultats étonnants dans les 20 dernières années, en fait. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a d'abord frappé, le type de courant dans lequel je me suis inscrit, ainsi que beaucoup d'autres, c'était un courant critique vis-à-vis de cette idée, consistant à montrer que même si on prend pour point de départ cette relation de représentation entre, disons, les mots et les choses, néanmoins, il faut se rendre compte aussi que les mots qu'on utilise, ce sont des outils, disons, dont on se sert précisément pour représenter la réalité, notamment, pas seulement pour cela, mais notamment pour cela. Et à partir du moment où il y a des outils dont on se sert pour faire cette tâche-là, il faut distinguer entre les propriétés, disons, propres des outils, notamment la signification, pour appeler la signification linguistique des mots. C'est-à-dire quelque chose qui appartient aux mots en tant qu'eux-mêmes relèvent d'un système, le système de la langue, disons, ce qui appartient en propre aux mots et ce qui appartient à leur emploi. Quand dans une situation particulière, un utilisateur du langage emploie les mots, à ce moment-là, il y a bien représentation. Si on utilise un mot qui renvoie à un aspect de la réalité, on va, à l'aide de ce mot, représenter effectivement quelque chose. Si on prononce une phrase déclarative, on va dire quelque chose, éventuellement de vrai ou de faux, on va faire une assertion sur le monde. Mais comme les philosophes du langage ordinaire y ont insisté, et je m'inscrivais à la suite de ce courant-là, ce sont les utilisateurs du langage qui disent des choses vraies ou fausses ou qui renvoient, qui font référence aux objets. Donc la relation de représentation, c'est la façon dont, c'est ce qu'on peut faire avec les mots, mais ce ne sont pas les mots eux-mêmes qu'ils font, parce que les mots eux-mêmes, ce sont des entités répétables, disons, donc qu'on peut utiliser pour faire cela,
mais il n'est pas certain que ce qu'on peut vouloir leur attribuer comme propriété sémantique qu'ils possèdent de façon constante, il n'est pas certain que ces propriétés sémantiques soient aussi déterminées que le fait de représenter tel ou tel objet ou d'avoir un certain contenu définissable en termes représentationnels. Et effectivement, on s'aperçoit que la signification linguistique des mots est plutôt un potentiel, c'est quelque chose qui permet aux mots de représenter, mais ça n'est pas d'emblée un contenu représentationnel ou un contenu représentatif. Donc les mots acquièrent un contenu en contexte, lorsqu'ils sont utilisés en contexte, mais ce qu'ils possèdent hors contexte est plutôt une signification, un potentiel de contenu plutôt qu'un contenu à proprement parler. Et cela apparaît clairement si on regarde des exemples tout à fait triviaux, mais qui n'étaient pas si triviaux à l'époque où les philosophes du langage ordinaire les utilisaient dans leur critique du représentationnalisme, notamment les mots indexicaux dont j'ai parlé à l'occasion d'une autre séance où il ne s'agissait pas spécifiquement du langage, mais entre autres du langage. Si on regarde un mot comme « je », il possède une signification linguistique constante à travers toutes ses occurrences, et la signification du mot « je », c'est une sorte de règle qui dit qu'on l'emploie pour se désigner soi-même, que la personne qui parle emploie « je » pour se désigner lui-même ou elle-même. Mais cette règle d'emploi, ce n'est pas la même chose que l'individu, que le mot, en tant qu'employé dans un contexte particulier, va effectivement se trouver désigné. Donc il y a bien la référence d'un côté, la relation entre le mot et l'individu dont on parle, et c'est une chose, et la signification du mot qui lui permet de renvoyer à l'individu en question est une autre chose. C'est en vertu de la signification, qui est une certaine règle d'emploi, que le mot peut, à chaque fois qu'il est employé, se trouver désigné telle ou telle personne, mais il faut bien distinguer la signification du mot, propriété du mot type, donc constante, indépendante du contexte, et le contenu que va véhiculer le mot dans tel ou tel emploi particulier. Et cette distinction, en fait, c'est une distinction qui peut être généralisée à tout le matériel linguistique. Et on peut aussi dire que, du coup, si au niveau de ce que j'ai appelé le contenu, qui est le sens réalisé quand le mot est employé, le sens actualisé, disons, du mot, si le contenu peut effectivement s'appréhender au moyen de cette idée de représentation, il y a le mot qui représente quelque chose, et qui, à partir de là, acquiert un certain contenu, un contenu représentatif ou représentationnel. Néanmoins, la signification linguistique des mots, hors contexte, on va plutôt l'appréhender à travers des notions comme les notions d'instruction, de conditions d'emploi, ou des notions plus pragmatiques. Alors, ça nous donne d'emblée deux niveaux de sens, disons, le niveau de la signification linguistique et le niveau du sens exprimé par les mots. J'écris ça. Signification linguistique conventionnelle des mots indépendamment du contexte d'énonciation. On distingue cela du contenu ou du sens exprimé par les mots, et ça dépend du contexte en partie. Alors cette distinction est parfaitement claire pour à chaque fois qu'il y a une expression qui est sensible au contexte, dont le contenu est contextuellement variable, comme les expressions indexicales. Mais encore une fois, c'est une idée qu'on peut généraliser. Elle sera peut-être triviale dans les cas où il n'y a pas de différence significative entre les deux niveaux, pour le cas d'expression dont la signification linguistique serait équivalente, serait d'emblée un contenu. Mais on peut aussi douter qu'il y a de telles expressions. Personnellement, j'ai toujours été dans le sens d'une généralisation de la sensibilité au contexte, donc je ne suis pas certain qu'il y ait de telles expressions. Donc on a cette distinction, et si on lit donc les critiques que Strawson portait à l'encontre de Russell, dans notamment les discussions qu'il y a eu entre eux sur la théorie des descriptions, la théorie de la référence en général, on voit que Strawson, essentiellement, ce qu'il fait, c'est souligner qu'il y a cette distinction qui est fondamentale, notamment à cause des indexicaux, que c'est une distinction qu'on doit généraliser, et que si on la généralise, le fait que Russell ne fasse pas cette distinction et utilise une seule notion se révèle avoir des conséquences néfastes pour différents points, disons, de la théorie. Et donc ça, c'est les deux niveaux qui sont importants et qui étaient importants dès le départ dans ma critique du représentationnalisme. Encore une fois, je ne faisais que suivre notamment les philosophes du langage ordinaire et beaucoup d'autres philosophes ou linguistes qui ont exprimé des idées analogues. Et dès le départ aussi, j'avais un troisième niveau de sens. Et quand je parle des niveaux de sens, c'est surtout ces trois-là qui forment une sorte
de triade fondamentale. Et le troisième niveau, c'est également un niveau de contenu. Par niveau de contenu ou niveau de sens, je veux dire quelque chose de bien déterminé, de complet. Ici, on a un potentiel, quelque chose qui n'est pas vraiment actualisé, qui est en demande d'actualisation, disons. Le troisième niveau de sens, c'est non pas le sens qui est exprimé par les mots, mais c'est le sens qu'on pourrait dire... La terminologie ici, en tout cas la mienne, n'est pas très fixée. Le sens qu'on pourrait dire communiqué par l'énonciation de ces mots dans le contexte. Donc on a du contexte ici, le sens exprimé, le contenu exprimé, est exprimé en contexte, alors que la signification linguistique est hors contexte. Et ici aussi on a du contexte, il s'agit du sens qui est communiqué par les mots en contexte. Pas communiqué par les mots, mais communiqué par l'énonciation des mots. Ce que j'ai en tête, c'est ce qui a été, c'est toute la dimension du sens qui a été mise en avant, qui a été en quelque sorte thématisée par des auteurs comme Ducrot en France ou Grice en Angleterre, puis aux États-Unis. C'est l'idée qu'en disant des choses, lorsqu'on parle, il y a des choses que l'on dit, disons, des choses qui sont exprimées par les mots que l'on énonce, même si c'est exprimé à l'aide notamment du contexte, mais ce sont quand même les mots qui encodent de façon au moins partielle les messages qui sont exprimés. Et puis il y a une autre partie qui est tout ce qu'on pourrait appeler l'implicite, qui est communiqué d'une façon plus indirecte, et ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui communiquent cela, c'est le fait que quelqu'un ait dit ce qu'il est dit. Donc les mots servent à dire quelque chose, et par le fait de dire quelque chose, on peut communiquer de façon plus indirecte d'autres choses. Donc pour donner un parmi les nombreux exemples que j'utilise de façon, je dois dire, très régulière et systématique, dans le cadre de couple question-réponse, si on me demande « est-ce que tu sais cuisiner ?», c'est un exemple, je l'ai peut-être déjà utilisé dans ces enregistrements, en tout cas je l'utilise plutôt à l'étranger en fait, parce que je joue sur les stéréotypes ici, et donc à la question « est-ce que tu sais cuisiner ?», si je réponds « je suis français », ça laisse entendre clairement que je sais cuisiner, en vertu d'un mécanisme qui est suffisamment robuste et général pour que quiconque à qui on présente ce dialogue sait immédiatement que, en disant « je suis français », j'ai à la fois dit que j'étais français, donc ça c'est un aspect du sens, c'est le sens exprimé, c'est le message qui est directement encodé, mais j'ai aussi fait passer un deuxième message qui est que je sais cuisiner. Et j'ai fait passer ce deuxième message en activant ou en invoquant ou en évoquant dans l'esprit de mon interlocuteur une prémisse nécessaire pour aboutir à la conclusion que je sais cuisiner. C'est la prémisse que les Français savent cuisiner, et cette prémisse, elle se trouve être encyclopédiquement accessible, disons. Donc ici, le message « je sais cuisiner » n'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est encodé, qui est exprimé parce que les mots utilisés d'une façon ou d'une autre correspondraient à ce message dans le système de la langue, pas du tout. C'est quelque chose de complètement différent. C'est simplement qu'il y a certaines présomptions, disons, on m'a posé une question et on est censé, quand on parle, respecter les règles du jeu de la parole, et les règles du jeu veulent que lorsqu'on vous pose une question, vous fournissiez la réponse. Et dans le processus interprétatif, quand on cherche à comprendre ce que quelqu'un dit ou communique, on suppose a priori qu'il se comporte comme on doit se comporter lorsqu'on parle, c'est-à-dire notamment, si on vous pose une question, vous êtes censé parler à propos et donner quelque chose qui permet de fournir la réponse, sinon, à défaut de quelque chose, ils la fournissent directement. Or ici, si on suppose effectivement que l'énoncé, la réponse « je suis français » est pertinente, c'est-à-dire qu'on a un rapport avec la question, ben on va essayer d'extraire de ce « je suis français », de ce message, de cette proposition exprimée au niveau du sens du contenu, on va essayer d'en extraire l'information demandée, et l'information demandée concerne précisément le fait que je sois ou non capable de cuisiner. Et là, effectivement, en utilisant simplement cette prémisse contextuelle supplémentaire que les Français savent cuisiner, on obtient tout de suite l'information. Et donc, comme on suppose que l'information doit être là, parce qu'on suppose que la personne qui parle essaie d'être pertinent et de donner la réponse, donc on va être conduit, être poussé à faire effectivement ce cheminement inférentiel qui permet d'inférer de ce qui a été dit, quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui est virtuellement là et qui en tout cas peut être reconstitué. Et le mécanisme, vraiment le moteur de cela, c'est l'idée que celui qui parle respecte certains principes. Donc c'est une idée qui était présente à la fois chez Grice avec cette notion
de maxime de la conversation, de règles que respecte celui qui parle. Et chez Ducrot, il y a la notion de loi de discours qui fait exactement le même travail. Donc ça nous donne trois niveaux de sens, deux qui dépendent du contexte, comme je l'ai dit, un qui est indépendant du contexte. Aux deux niveaux du sens exprimé ou communiqué, on a quelque chose, des propositions, comme disent les philosophes, complètes, des contenus complets. Et puis on a aussi toutes sortes d'autres niveaux, disons, plus ou moins intermédiaires. Par exemple, il y a des aspects de ces inférences, de ce sens inféré ou implicite ou simplement communiqué, qui sont généralisés ou conventionnalisés, où il y a des choses qui se... disons que là, l'exemple que j'ai donné, est-ce que je sais cuisiner, je suis français, c'est un cas particulier où dans ce contexte, compte tenu de la question qui est posée, etc., ça implique cela. Mais il y a d'autres choses, il y a des phénomènes analogues qui se produisent de façon plus ou moins systématique. Comme par exemple, si je dis « quelques étudiants sont venus », ça laisse entendre que tous ne sont pas venus. Mais littéralement, on peut juger que littéralement, logiquement, quelques étudiants sont venus n'exclut pas que tous soient venus. Donc ça laisse entendre que tous ne sont pas venus en vertu d'un mécanisme analogue, c'est-à-dire qu'on suppose en général que quand quelqu'un fournit une information sur un sujet pertinent, il fournit l'information la plus forte dont il dispose. Donc le fait qu'il ait dit « quelques étudiants sont venus » suggère que rien de plus fort que cela n'est vrai, dans la mesure où si c'était vrai, si tous les étudiants étaient venus, il aurait dû le dire, pour autant qu'il fournisse les informations les plus fortes dont il dispose, et pour autant qu'on suppose qu'il est bien informé. Donc par un mécanisme également, une sorte d'inférence faisant intervenir l'idée que la personne qui parle respecte un certain type de principe sans lequel le discours ne pourrait simplement pas avoir lieu, parce qu'il serait une activité trop désordonnée, simplement en faisant appel à ce genre de principe, on arrive à ajouter au sens exprimé littéralement des aspects du sens qui sont implicites, qui ne sont pas encodés, qui sont inférés, mais qui néanmoins enrichissent le contenu de l'acte de parole, et dans certains cas même d'une façon qu'on ne remarque pas tellement c'est plus ou moins automatique. Donc il y a des cas où il y a une partie de sens communiqué qui est communiqué d'une façon tellement générale et systématique qu'on a l'impression que ça fait partie vraiment du sens, sans faire la différence. Et donc il y a toutes sortes de choses éventuellement intermédiaires entre le sens exprimé et le sens communiqué, mais enfin l'essentiel c'est cette triade là qui est vraiment la triade fondamentale. Et je dois dire que cette distinction verticale des trois niveaux se combine avec d'autres distinctions dont je parlerai peut-être pas ou pas trop, je crois que j'en ai déjà parlé, une distinction plutôt horizontale entre deux aspects ou deux composants du sens à n'importe quel niveau. Disons que, par exemple, si y a une partie du sens qui est descriptif, disons, qui se rapporte précisément à la réalité à travers lesquelles les mots renvoient au monde, et il y a une partie du sens qui concerne non pas tellement les choses dont on parle, que le fait qu'en parlant, on est en train, par exemple, d'accomplir tel ou tel acte de parole, ou le fait que l'énoncé se situe de telle ou telle façon par rapport au reste du discours, au reste de la conversation, ou le fait qu'on est en train d'argumenter de telle façon, ou le fait qu'on ait telle ou telle attitude émotionnelle ou de quelque sorte que ce soit vis-à-vis de ce dont on parle, etc. Donc il y a tout un ensemble d'aspects du sens des mots qui ne se rapportent pas à la réalité, mais plutôt qui concernent l'acte de parole lui-même ou l'attitude du locuteur ou des interlocuteurs vis-à-vis de ce dont on parle, ou encore une fois la relation des mots par rapport au reste du discours ou de l'énoncé, comment l'énoncé se situe dans le reste de l'activité discursive, etc. Donc il y a beaucoup de dimensions qu'on pourrait appeler proprement pragmatiques, c'est-à-dire où le discours porte sur le discours ou renvoie au discours lui-même au lieu de renvoyer à l'objet du discours. Et il y a cette espèce de divorce dans le sens entre ces deux dimensions, la dimension pragmatique et la dimension, disons, descriptive ou représentative. Du moins, j'ai toujours pensé qu'il y avait cette espèce de dualité et qu'on ne pouvait pas véritablement réduire ces deux aspects l'un à l'autre, mais je sais bien qu'on peut en tout cas essayer, on peut essayer de tout réduire à la dimension pragmatique et voir la dimension descriptive comme étant simplement une sorte de cas particulier où on peut... Mais bon, la question, pour moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait cette dualité. Et par ailleurs, il y a ces distinctions entre les trois niveaux, et en fait, ça nous donne d'emblée une certaine diversité. En fait, on pourrait faire une sorte de tableau où on aurait donc six cases, finalement,
Et il m'est arrivé de faire des analyses en utilisant des tableaux de ce genre, c'est-à-dire en essayant de localiser tel aspect du sens à un niveau vertical, mais aussi dans une des dimensions descriptives ou pragmatiques. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je mentionne simplement, disons, pour mémoire, mais je m'intéresse surtout ici aux aspects, au niveau de sens, sur le plan, disons, vertical. Et je voudrais indiquer, finalement, pourquoi j'ai utilisé de façon constante, véritablement, ces distinctions, pourquoi, et l'usage, en fait, que j'ai été conduit à en faire. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Quelle serait alors la partie descriptive du niveau sens communiqué ? Disons que ça dépend un peu de comment, exactement quel cadre on veut utiliser. Mais... français. Pardon ? Si on parle de cet exemple, est-ce que vous avez cuisiné ? Je suis français. Quand je suis français. Il me semble que aux deux niveaux là, on peut représenter, disons, ce qui est exprimé et ce qui est communiqué, comme étant les deux des choses qui sont affirmées, des assertions qui sont faites par le locuteur, l'une qui est faite, disons, directement et l'autre qui est faite implicitement. Et dans ces assertions, on peut distinguer ces deux niveaux, disons le niveau descriptif et le niveau pragmatique, en disant qu'il y a à la fois la chose, ce qui est asserté, ou ce qui était asserté, disons explicitement ici, que je suis français, auquel cas il y a bien un certain état de choses dans le monde qui consiste dans moi-même, la propriété d'être français, on peut représenter cet état de choses dans différents cas théoriques, mais disons, c'est bien un état de choses dans le monde, et mon énoncé renvoie à cet état de choses. Mais par ailleurs, mon énoncé, à ce niveau-là, est une assertion, c'est-à-dire, c'est un engagement vis-à-vis de la réalité de cet état de choses. Et on présente cet état de choses comme étant réalisé dans le monde réel, disons. Il s'agit d'une assertion, on présente quelque chose comme vrai. Et je pense que on a bien ces deux composants, c'est-à-dire que il est ce qui est signifié, ce que l'énoncé ne se contente pas de se rapporter à cet état de choses, il se rapporte à cet état de choses sur le mode assertif, en le présentant comme étant quelque chose de réel. Et de même, au niveau du sens communiqué, le fait que je sache cuisiner, c'est un état de choses qui est également représenté sur un mode assertif. Et le mode assertif, c'est typiquement quelque chose qui relève de cette dimension pragmatique, où quelle est la différence entre un énoncé, disons, déclaratif, une affirmation, et puis un énoncé impératif ? On peut soutenir que ces deux types d'énoncés, ou une question, prenons une affirmation, une question, donc « je sais cuisiner », affirmation, « est-ce que je sais cuisiner ?» question. On peut dire que c'est le même état de choses que les deux représentent, ils se rapportent au même aspect de la réalité, et la différence de sens entre les deux, c'est simplement que l'un se présente comme une assertion, l'autre se présente comme une question, c'est-à-dire qu'ils donnent chacun des indications différentes sur le type d'activité accomplie par celui qui parle. Alors il n'est pas complètement certain qu'on puisse analyser effectivement le sens communiqué et le sens exprimé au moyen de ces notions de la théorie des actes de parole, ça ce sont des notions de la théorie des actes de parole qui disent que tout acte de parole a une certaine force, c'est-à-dire qu'il est un ordre, il est une affirmation, il est une question, etc. Et un certain contenu, ce qui est ordonné, ce qui est affirmé, ce sur quoi porte la question. Il n'est pas certain qu'on puisse analyser ces différents niveaux de sens en ces termes-là, mais c'est ce que je présupposais en disant notamment que ces deux composants descriptifs et pragmatiques se retrouvent à tous les niveaux. Je présupposais un cadre analytique où on va dire qu'à chaque fois qu'il y a un sens complet, disons, qui se trouve exprimé, ben, finalement il y a ces deux dimensions. Et on retrouve, disons, l'élément force et l'élément contenu. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a d'autres éléments, disons, non descriptifs qui peuvent intervenir à ces niveaux-là, mais enfin, je crois que la question portait de façon plutôt sur l'élément descriptif. Donc c'est à peu près à ça que j'avais en tête. Et je dois dire que quand on se concentre simplement sur les niveaux verticaux, on a tendance à oublier la force, à mettre de côté l'élément, justement, pragmatique, à prendre en considération seulement des choses assertées de toute façon, et à se concentrer au niveau du contenu descriptif. C'est ce que font généralement les gens, donc c'est pas tout à fait évident, mais dans les quelques cas où j'ai utilisé un tableau complet pour localiser, disons, des aspects du sens, à ce moment-là, je recourais à l'usage de ces notions de la théorie des actes de parole. Donc, si je reviens à, disons, au point de départ qui était la transparence et l'énonciation, où déjà j'avais ces trois niveaux-là, dans la transparence et l'énonciation, et c'est une autre chose qui a été plus ou moins
constante dans mon travail, une notion qui m'intéresse, c'est de dire qu'au niveau, au premier niveau, qui est au niveau de la signification linguistique, ce que font les mots à ce niveau-là, en tout cas, je ne sais pas si ça peut être généralisé, mais les mots qui m'intéressaient, disons, les mots fournissent des indications, quelque chose que j'appelais l'indication pour distinguer ça du contenu sémantique en un sens plus, disons, déterminé. Au niveau de ce que font les mots eux-mêmes, les mots nous donnent des indications, et ces indications sont des indications qui toutes concernent ce que fait la personne qui va utiliser ces mots. Donc le potentiel des mots, le potentiel sémantique, leur signification linguistique, concerne l'usage qu'on peut en faire. Et dès que les mots sont employés, cette signification potentielle, disons, se transforme en une indication réflexive sur ce que le locuteur est en train de faire. Donc c'est tout à fait clair si on considère justement les choses dont on parlait à l'instant, comme les modalités déclaratives, impératives. Que nous dit le mode impératif ? Il nous dit que la personne qui est en train de l'employer est en train d'accomplir un acte de parole d'un certain type, un acte de type prescriptif, disons. Il est en train de faire une certaine chose. De même, un mot comme « je », qui sert à désigner le locuteur, nous dit que la personne qui l'énonce est en train de se désigner lui-même. Et ces indications réflexives portant sur l'emploi qui en est fait de ces mots, ces indications réflexives sont ce qui nous permettent en contexte de construire le contenu. Donc il y avait cette idée d'une réflexivité, idée aussi dont j'ai parlé dans une précédente séance d'enregistrement, l'idée que le sens, à un certain niveau tout à fait primitif, qui, disons, premier niveau, ou très proche de ce premier niveau, le sens est véritablement réflexif, porte sur l'énonciation. Le sens des mots porte sur ce qu'accomplit ou ce que permet de faire leur énonciation. Ça, c'est une idée que je mentionne parce que c'est une idée qui est intéressante philosophiquement, certainement. C'est une idée qu'on trouve chez un certain nombre d'auteurs, notamment, finalement, là, je fais une petite parenthèse, je travaille tellement dans le milieu, disons, de langue anglaise, que je n'ai pas souvent l'occasion de parler, disons, de rapporter ce que je fais à la tradition dont je descends plus immédiatement, la tradition de linguistique et de philosophie en langue française. Donc là, j'en profite pour le faire. C'est une idée, notamment, qui est très importante chez Ducrot, cette idée de réflexivité, l'idée que les mots parlent, le discours parle du discours. À un niveau fondamental, il y a cette espèce de réflexivité. Et c'est aussi une idée qu'on trouve chez Benveniste, je crois que je l'avais peut-être mentionné. C'est une idée qui est très importante. Elle se trouve également dans cette autre tradition dans laquelle je m'inscris plus directement depuis que mon travail, je le fais essentiellement à travers des publications en langue anglaise pour des raisons diverses. Elle se trouve aussi, par exemple, un collègue, si je puis dire, John Perry, avec qui j'ai beaucoup de points de contact intellectuellement. John Perry a la même idée, c'est-à-dire qu'il pense, et il a découvert ça, disons, relativement sur le tard par rapport à cette tradition française qu'il ne connaît pas particulièrement, évidemment. Il pense aussi qu'au niveau, plus on remonte haut dans le travail interprétatif, plus on prend les niveaux de sens qui sont en haut, parce que lui a tout aussi toute une hiérarchie de niveaux de sens, plus on trouve quelque chose de réflexif, et il y a le niveau de ce qu'il appelle la proposition réflexive, où le sens concerne, le sens d'une occurrence, enfin le sens des mots concerne l'occurrence même des mots qui est en train d'être énoncé. Disons, il y a une sorte de réflexivité fondamentale, et il y a quelque chose qu'il appelle donc la proposition réflexive à un niveau fondamental. Et tout ça est inspiré de Reichenbach, qui lui-même avait des notions analogues et s'était beaucoup intéressé à ce qu'il appelle la token réflexivité. En fait, c'était l'indexicalité, mais pour lui aussi, il voyait la réflexivité à un niveau assez fondamental dans le sens, sans que nécessairement il ait eu la volonté de généraliser cette idée comme le fait Perry. En tout cas, il y a tout un ensemble de choses qui tournent autour de ces idées qui méritent certainement d'être développées. Et pour moi, ça a été une idée directrice qui était très claire, qui n'a jamais été aussi présente sans doute que dans la transparence et l'énonciation, où elle était peut-être présentée de façon un peu naïve, en tout cas, de façon naïve certes, mais très visible, disons. Et puis dès la couverture, avec ce dessin d'Escher, avec le dragon qui se mord la queue ou qui s'auto-transperce. En tout cas, donc, il y avait cette théorie, disons qu'au niveau de sens, au niveau de sens supérieur, au niveau de la signification linguistique, ce qu'on trouve, c'est une forme d'indication réflexive. Et puis ensuite, j'ai utilisé
la théorie, les distinctions des niveaux de sens pour critiquer finalement ce qu'il y avait de trop naïf dans la façon dont je présentais justement les choses dans la transparence et l'énonciation. Et donc je peux donner un exemple qui concerne cette idée notamment d'indication réflexive. Dans la transparence et l'énonciation, je donnais comme paradigme du fait que tous les énoncés finalement parlent d'eux-mêmes, nous disent quelque chose sur ce qu'ils sont, et c'est en faisant cela notamment qu'ils arrivent à représenter quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Disons qu'il y a à la fois cette dimension de représenter ce qui est extérieur au signe linguistique et en même temps un effet de retour sur le signe linguistique, un effet de réflexivité qui est lié à la possibilité même de... C'est à travers d'autres dimensions réflexives qu'on peut renvoyer à autre chose. Donc je soutenais cela à travers toutes sortes de, disons, d'exemples, d'illustrations. Et il y en a un exemple ou une illustration particulière que j'ai très vite voulu rejeter comme étant résultant un peu d'une confusion de niveau de sens. Et j'utilisais les performatifs, les énoncés performatifs ou les performatifs explicites comme un paradigme, en disant que finalement, Austin nous avait appris que tout énoncé est explicitement ou implicitement performatif. Donc je peux dire à quelqu'un « viens ici », ou je peux lui dire « je t'ordonne de venir ici », je peux dire « je suis français », ou je peux dire « j'affirme que je suis français ». À chaque fois, les deuxièmes versions sont les performatifs explicites, où il y a un préfixe « j'affirme »,« je t'ordonne », »,« je te demande si », etc. Un préfixe qui, de façon explicite, indique la nature de l'acte de parole accompli. Donc ces énoncés qui sont explicitement performatifs sont aussi manifestement réflexifs. Ce sont des énoncés qui sont autoréférentiels, comme l'avait dit Benveniste. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. « Je te promets de venir » est un énoncé qui parle de lui-même et qui dit qu'il est une promesse de venir. Disons, ici, on a une forme de réflexivité. Et ce que disait Austin aussi, c'est que si on prend un énoncé comme « j'affirme qu'il fait beau aujourd'hui » ou peut-être de façon plus informelle, « je te signale qu'il fait beau aujourd'hui » ou quelque chose comme ça, on voit qu'il y a deux parties. Il y a une partie « il fait beau aujourd'hui » qui renvoie au monde un certain état de choses, et il y a une autre partie qui est le préfixe performatif qui indique réflexivement la nature de l'acte de parole accompli. Donc là, on voit en quelque sorte, de façon très très nette, ces deux composants, ces deux aspects du sens, l'aspect pragmatique et l'aspect descriptif, et on voit que l'aspect pragmatique a ce côté, disons, réflexif. Il nous indique ce qui est accompli par la parole qui est prononcée. Et d'autre part, Austin a aussi dit que tous les énoncés, en fait, sont explicitement ou implicitement sur ce... Tout énoncé peut être transformé dans ce format performatif, peut être mis sous cette forme-là, même si le préfixe performatif n'est pas explicite, il est implicite et on peut le rendre explicite. Donc ça permettait de généraliser l'idée. Or, ensuite, dans les énoncés performatifs, un livre que j'ai écrit peu de temps après la transparence et l'énonciation et qui revient sur un certain nombre de points, et puis surtout j'avais avancé dans ces questions. Il ne faut pas oublier que la transparence et l'énonciation, c'est un livre que j'ai écrit, en fait c'est le cours que j'ai professé à l'école des hautes études en 60... je ne sais plus très bien, 76-77 peut-être, ou 77-78, je ne sais plus, non, 76-77 je crois, et je découvrais ces choses. J'avais changé d'orientation en l'année précédente où je découvrais ces choses. En même temps que je les découvrais, je les enseignais. C'est une bonne façon, de faire les choses, d'enseigner en découvrant. Le livre reprend ces idées avec une certaine fraîcheur, parfois des naïvetés, donc. Et j'avais hâte, ayant progressé un peu, de faire les choses de façon un peu moins naïve, un peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée. Et c'est ce que j'ai fait dans les énoncés performatifs qui, de façon beaucoup plus mûre, traite souvent des mêmes idées. Et un des points où j'ai présenté ce que j'ai appelé une autocritique dans la préface, je pense, c'est justement cette théorie, cette idée que les énoncés performatifs sont un cas où l'on voit un composant qui a un sens purement pragmatique, disons, qui fournit une indication réflexive, alors qu'un autre composant du sens se rapporte à un état de choses extérieur. Et pour critiquer ce point de vue, j'ai utilisé la distinction des niveaux de sens qui était déjà là dans la transparence et l'énonciation, mais que je n'utilisais pas particulièrement à cet effet. Et ce que je dis dans les énoncés performatifs, c'est que si on regarde un énoncé performatif comme « je t'ordonne de venir », au niveau de la signification linguistique, simplement au niveau du potentiel encodé linguistiquement de façon indépendante du contexte, etc., qu'est-ce qu'on sait sur la force illocutionnaire, c'est-à-dire le type d'acte de parole qui va être accompli par l'énoncé? En fait, tout ce qu'on sait au niveau, vraiment à ce niveau-là, au niveau de la signification linguistique abstraite, tout ce qu'on sait, c'est que
on a devant nous un énoncé déclaratif. « Je t'ordonne de venir » est un énoncé déclaratif. Ce n'est pas un énoncé impératif, ce n'est pas un énoncé interrogatif. Il y a une certaine modalité qui est encodée linguistiquement, c'est la modalité déclarative. Donc cette phrase, simplement en vertu du fait qu'elle a la modalité déclarative, a le même potentiel illocutionnaire, peut servir à accomplir le même type, le même vaste type d'acte que les autres phrases déclaratives. Alors, quel est le potentiel des phrases déclaratives en général? C'est une des questions que je traite dans les énoncés performatifs. Je ne crois pas que ce soit simplement des phrases qui servent à affirmer ou à constater des états de choses dans le monde. On accomplit aussi, avec des phrases déclaratives, des actes de parole très différents, comme ce qu'on appelle des déclarations, justement, comme si je dis « la séance est ouverte ». Si je dis « la séance est ouverte », je ne fais pas la constatation d'un état de choses indépendant. Mon énoncé n'est pas vrai ou faux. En disant « la séance est ouverte », j'exprime plutôt l'intention de faire qu'elle le soit ou de réaliser l'état de choses dont je parle par mon énonciation. Donc il s'agit de quelque chose qui est fondamentalement différent de l'affirmation. Dans l'affirmation, on a un état de choses et on l'enregistre linguistiquement, en disant « cet état de choses est réalisé et c'est vrai ou faux ». Dans la déclaration, la direction d'ajustement entre les mots et le monde est complètement différente. Ce sont les mots qui créent l'état de choses dont ils parlent. Donc, en tout cas, les phrases déclaratives servent à faire ces deux types de choses-là, quelle que soit la raison, quelle que soit la théorie générale qu'on puisse donner de la modalité déclarative pour expliquer quelles sont ces deux valeurs-là, et j'en parle beaucoup dans le livre. Mais ce que je dis aussi concernant les énoncés performatifs, c'est qu'au niveau de la signification linguistique, tout ce qui est donné, c'est cette modalité déclarative, plus des mots qui ont un certain contenu descriptif, comme le verbe ordonner, qui peut s'employer pour désigner un certain acte de parole, etc. C'est seulement quand on passe au niveau du sens actualisé en contexte qu'on peut déterminer notamment que le potentiel déclaratif signifié par la modalité déclarative dans la phrase « je t'ordonne de venir » est réalisé, est actualisé contextuellement, non pas comme une assertion. La personne qui dit « je t'ordonne de venir » ne prétend pas rapporter un fait indépendant de son énonciation, mais, c'est la théorie que je soutiens dans ce livre, est actualisée comme déclaration, c'est-à-dire la personne prétend par sa parole réaliser l'état de choses dont elle parle. Donc ce que je fais, c'est que j'analyse la force encodée linguistiquement comme étant celle encodée par la modalité déclarative, quelle qu'elle soit. Au niveau du sens exprimé, ceci est actualisé comme la force illocutionnaire d'une déclaration, comme ce qu'on a dans « la séance est ouverte », ce qui signifie que le locuteur exprime l'intention de réaliser par sa parole l'état de choses décrit par l'énoncé. Et l'état de choses décrit par l'énoncé, c'est le fait que le locuteur ordonne à son interlocuteur de venir. Donc on aboutit au fait que « je t'ordonne » n'a pas un contenu au départ, un sens purement pragmatique qui donnerait simplement une indication sur ce que fait le locuteur, non. Les mots « je t'ordonne » font une contribution au contenu descriptif, à la partie descriptive du contenu du sens de l'énoncé, et c'est la modalité déclarative qui indique de façon seulement partielle, et qu'il y a besoin d'être contextuellement déterminé, la force de l'acte. Mais ce qui se passe, la dernière chose dont on a besoin, le dernier composant dont on a besoin, qui se situe même pas au niveau de ce sens exprimé, mais quelque part au-delà, on a besoin aussi de l'idée. C'est une idée que j'utilise donc dans les énoncés performatifs. On a besoin de l'idée que les actes de parole, les actes illocutionnaires, comme ordonner, affirmer, interroger, promettre, tous ces actes dont a parlé Austin dans la théorie des actes de parole, ont, comme l'a souligné Grice, Strawson, enfin un certain nombre d'autres auteurs, ont une propriété, Searle aussi, une propriété complètement spéciale qui les distingue de tous les autres types d'actions, c'est qu'il suffit pour les accomplir de rendre manifeste au destinataire, à la personne à qui on parle, l'intention qu'on a de les accomplir. Donc, si j'ai l'intention de dire bonjour à quelqu'un, c'est l'exemple de Searle, il suffit de lui faire comprendre l'intention que j'ai par un geste quelconque, finalement, d'accomplir cet acte. Quel que soit le geste peut être, je peux faire bouger mes oreilles, s'il comprend que par ce geste, j'ai l'intention de le saluer, alors j'ai réussi à le saluer. Car saluer, ce n'est rien d'autre, finalement, que faire comprendre l'intention qu'on a de faire cela. Il y a ici aussi une forme de réflexivité. Toujours est-il que si on admet qu'il y a cette propriété des actes de parole, et si on admet qu'en disant « je t'ordonne de venir », on décrit le fait qu'on est en train d'ordonner avec la force d'une déclaration, c'est-à-dire en prétendant réaliser ce fait par la parole même qui le décrit, si on admet tout cela, et si on admet que ce type d'acte, précisément pour l'accomplir, il suffit d'exprimer l'intention de l'accomplir, eh bien tout ça mis ensemble suffit à expliquer comment il se fait qu'en disant « je t'ordonne de venir », j'arrive effectivement à ordonner de venir, alors même que, au niveau de la signification linguistique, ça n'est pas encodé.
que ce soit un ordre, devenir C. Disons que l'énoncé parle d'ordre, mais c'est sur le mode descriptif. Il n'encode pas directement la force pragmatique de l'ordre. Et une des raisons pour laquelle je voulais, à ce, disons, je ne voulais pas garder l'idée d'Austin selon laquelle la force de l'ordre est directement encodée par le préfixe performatif, c'est simplement parce que ces préfixes performatifs, des mots comme « je t'ordonne », »,« j'affirme », etc., ne sont pas des entités primitives du langage à quoi on peut assigner de façon primitive une sorte de signification qui, comme on assigne au mode impératif, en disant « ça sert à indiquer qu'on accomplit un ordre » et puis c'est tout. Le mot « ordonner » est un mot qu'on va trouver dans plein de contextes, dans « il ordonne »,« j'ordonne », »,« tu ordonnes », à différents temps, etc. De même, le mot « je », tous ces mots-là ont une valeur sémantique qui ne doit pas être spécifique au contexte où ils apparaissent dans un préfixe performatif. On veut faire une théorie qui soit compositionnelle, c'est-à-dire qu'on veut prendre les expressions primitives du langage, les mots, les constructions, on veut leur assigner une signification, et on veut que la signification linguistique des expressions complexes résulte de la signification linguistique des parties, et puis la façon dont elles sont combinées. Et si on obéit à ce principe, disons, de compositionnalité, on ne peut plus dire que des mots comme « je t'ordonne de » ont cette valeur d'indicateur d'ordre, parce qu'il faudra dériver cette valeur du sens que prend le mot « je », que prend le mot « ordonné », etc. Sens qui va être pertinent aussi pour d'autres contextes où ce ne sera pas des performatifs. Et encore une fois, il t'ordonne de venir n'est pas un ordre. C'est une affirmation. Comment se fait-il que « je t'ordonne de venir » alors soit un ordre? On veut qu'il y ait quelque chose de commun sur le plan du sens à ces différents énoncés. Mais en même temps, on veut au final aboutir à l'explication pourquoi « je t'ordonne » est-il un ordre. Donc ici, j'utilisais la théorie des différents niveaux de sens pour expliquer que quelque chose qui est intuitivement présent, à savoir le fait que cet énoncé est pris comme un ordre et vu comme un ordre, néanmoins, ça n'est pas forcément quelque chose qui est présent dès le niveau de la signification linguistique. Ça peut être quelque chose qu'on va dériver à un niveau qui, finalement, est même postérieur au sens exprimé, ou peut-être pas très postérieur. Mais en tout cas, c'est en utilisant des distinctions des choses qui sont immédiatement encodées, des choses qui sont inférées, même de façon éventuellement assez immédiate comme ici, qu'on peut rendre compte des faits. Donc là, c'est typiquement une analyse plus raffinée, disons, que je tentais de faire, où j'avais gardé les mêmes préoccupations qu'à l'origine, mais j'essayais d'aboutir à des conclusions qui ne soient pas, disons, en violation patente avec des principes généraux méthodologiques d'analyse sémantique comme le principe de compositionnalité. Toujours est-il que ça, c'était, disons, l'usage que j'en ai fait immédiatement, mais ensuite, j'ai gardé cette théorie des niveaux de sens, cette distinction des niveaux de sens, j'en ai fait un usage, comme j'ai dit, constant. Et le principal usage que j'en ai fait dans la suite, ça a été finalement pour continuer à critiquer ce que j'avais appelé le représentationnalisme et ce que j'ai ensuite appelé le littéralisme, une certaine façon d'aborder les faits de signification. Donc peut-être je vais dire un mot de cela et ça va me mener finalement au dernier livre que je viens de... Oui. D'envoyer à l'éditeur. Arrêtez une seconde, peut-être un bon... D'accord. Donc, maintenant, tu... Bien, donc, pendant ces 15 dernières années, le principal emploi que j'ai fait de la distinction des niveaux de sens, qui a joué un rôle vraiment très central dans mon travail, ça a été pour critiquer ce que j'avais appelé le représentationnalisme et que depuis j'ai plutôt tendance à appeler le littéralisme, qui est une certaine façon de concevoir les contenus linguistiques, le langage, la communication, une certaine façon de découper le gâteau du sens, disons. Je vais peut-être, par rapport à ce schéma avec les trois niveaux, présenter un peu les choses en disant que du point de vue littéraliste, en fait, il y a véritablement deux niveaux, plutôt que trois. Et dans pas mal de choses que j'ai faites, j'ai essayé de faire valoir le fait que c'était vraiment trois, qu'il fallait prendre au sérieux la triade et pas essayer de rabattre ou de réduire notamment le niveau du milieu au premier niveau. Or, c'est ça que fait le littéralisme. Le littéralisme, ce que j'appelle le littéralisme au départ, dont j'ai parlé tout à l'heure de représentationnalisme, mais c'est un peu la même idée, c'est l'idée que les mots ont le contenu qu'ils ont, le contenu notamment représentationnel, en vertu des règles du langage. Simplement, il y a le sens des mots, c'est le fait qu'ils renvoient à telle ou telle chose.
Le sens des phrases, ce sont des conditions de vérité qui permettent d'évaluer les phrases comme vraies ou fausses. Donc, en vertu des règles du langage, les mots eux-mêmes représenteraient des états de choses dans la réalité, ou les phrases représenteraient des états de choses, les mots représenteraient des objets, etc. Alors que ce dont j'ai parlé au début, notamment dans la critique du représentationnalisme, c'était l'idée qu'en fait, les mots ne représentent, les phrases ne peuvent être vraies ou fausses, que parce qu'elles sont utilisées par des gens qui s'en servent pour représenter, faire référence à des choses, représenter des états de choses, dire des choses vraies ou fausses. C'est au niveau du sens exprimé qu'on a véritablement un contenu représentationnel. Mais la signification linguistique des mots eux-mêmes n'est pas déjà un contenu représentationnel, c'est plutôt un potentiel, quelque chose qui nous permet de représenter. Donc on a cette dualité. On ne peut pas identifier la signification linguistique des mots eux-mêmes avec leur contenu représentationnel. Il faut distinguer ce qui est hors contexte et ce qui dépend du contexte. Or, du point de vue du littéralisme, on attribue aux mots eux-mêmes le contenu représentationnel. Le sens des mots, c'est ce qu'ils représentent. On ne fait pas la différence entre la signification linguistique et le sens exprimé. Pourquoi on ne la fait pas ? Parce que le littéralisme, d'abord, est venu, disons, d'un ensemble de disciplines qui étudiaient le langage à travers les langages artificiels construits par les logiciens. Ces langages-là ne présentaient pas des phénomènes de sensibilité au contexte, des mots indexicaux. Donc, pour ces langages-là, il n'y avait pas lieu de distinguer, disons, ces deux niveaux. Mais quand on regarde les langues naturelles, les langues qu'on parle, les langues vernaculaires, on a ces deux niveaux-là, on a l'indexicalité, la dépendance par rapport au contexte. Les mots possèdent une signification fixe, mais cette signification n'est pas un contenu, le contenu des mots dépend à la fois de la signification et du contexte. Donc on a quelque chose de plus compliqué qui fait intervenir le contexte, et on est forcé de distinguer ces deux niveaux. Et bon, ensuite, tout le monde s'est mis à étudier les langues naturelles, y compris les gens qui utilisaient les méthodes formelles qui inspiraient notamment de l'étude des langages artificiels des logiciens. Mais les idées littéralistes sont restées très présentes, soit parce que on soutenait, et c'est ce que j'appelle le littéralisme fort, on soutenait que finalement l'indexicalité, la sensibilité au contexte, même dans les langues naturelles, dans les langues vernaculaires, ça n'est pas très important, parce que c'est surtout une question de commodité, pour parler vite et de façon économique, pour ne pas avoir à faire de longues descriptions, pour ne pas avoir à connaître le nom propre des individus dont on peut vouloir parler, on cède du contexte qui sert à effectivement à obtenir une certaine économie de moyens linguistiques. Mais il y avait l'idée qu'on pourrait toujours, si on voulait, s'exprimer de façon complètement explicite et indépendante du contexte. Donc au lieu de dire « je suis français », je pourrais dire « Recanati est français », et au lieu d'utiliser le temps présent qui utilise le moment de l'énonciation pour fixer la référence temporelle, je pourrais donner une date, ou pour autant que l'état de choses dont je parle soit daté, soit quelque chose de localisé temporellement, etc. Donc il y avait l'idée qu'on peut éliminer la dépendance contextuelle, même si elle est très présente, même si elle est présente dans 90% des phrases qu'on énonce, on pourrait s'en débarrasser si on voulait. Et ça, c'est une idée qui a finalement été abandonnée, parce qu'on s'est aperçu que non, en fait non. On s'est aperçu d'abord qu'il y a de plus en plus de formes de dépendance contextuelle qui sont apparues, ou qui ont été mises au jour par l'analyse sémantique, des formes insoupçonnées. D'une part, on s'est aperçu d'autre part que la dépendance contextuelle paraît fondamentale, qu'on peut-être on ne pourrait pas faire référence à des objets si on n'avait pas cette possibilité de s'appuyer sur le contexte dans lequel les mots sont énoncés, pour faire référence de façon directe aux objets en vertu d'une certaine relation qu'ils entretiennent avec la personne qui parle. Et ça, c'est un des points sur lesquels j'ai insisté dans un précédent enregistrement. Donc pour la référence, peut-être on a absolument besoin d'une dépendance par rapport au contexte, peut-être qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et peut-être aussi la quantification, la prédication des fonctions sémantiques fondamentales semble reposer finalement sur une forme d'exploitation du contexte dans l'expression des contenus qui fait qu'il n'est pas du tout certain que cette dépendance des contenus par rapport au contexte soit éliminable. Et ça, donc, c'est une idée qui a été abandonnée. Mais cependant, il y a eu d'autres formes, disons, de littéralisme qui ont conduit quand même à maintenir qu'il y a quand même des contenus qui sont vraiment les contenus exprimés par les mots eux-mêmes, indépendamment des locuteurs, de l'activité pragmatique de ceux qui parlent en contexte. Donc je voudrais dire un mot de plusieurs stratégies, disons, littéralistes pour défendre ce point de vue-là. Il s'agit essentiellement de minimiser l'écart entre la signification linguistique et le contenu, en disant que même si, à cause de la dépendance contextuelle, à cause des éléments indexicaux, etc., il y a cette différence, néanmoins, les deux choses, la signification linguistique conventionnelle et le contenu, le sens exprimé, sont comme les deux faces, disons, d'une pièce. Sont vraiment presque la même chose.
Le sens exprimé est très très proche de la signification linguistique. Donc les deux constituent le sens littéral par opposition au sens communiqué qui est le sens pragmatique, c'est-à-dire ce que veut dire la personne qui parle. Donc il y a ce que la phrase signifie ou ce que la phrase dit. D'une part, et puis il y a ce que le locuteur, la personne qui parle, veut dire d'autre part. Donc deux réalités, la réalité sémantique, ce que la phrase dit, ce que la phrase signifie, le sens littéral, la réalité pragmatique, ce que la personne qui parle veut dire. Et la distinction à l'intérieur du sens littéral entre la signification linguistique et le sens exprimé ou le contenu exprimé littéralement n'importe pas beaucoup, parce que le contenu exprimé littéralement et lui-même, même s'il dépend du contexte, comme on est bien forcé de le reconnaître, néanmoins il est déterminé par les règles du langage et pas par ce qu'il y a dans la tête de la personne qui parle ou dans l'esprit de celui à qui il parle. C'est des règles du langage qui nous disent que « je » désigne la personne qui parle, que « aujourd'hui » désigne le jour où l'on parle, que « demain » désigne le lendemain du jour où l'on parle. Même si le contexte joue un rôle pour fixer le contenu, parce qu'on a de l'indexicalité ici, c'est une règle linguistique qui va fixer le référent. Et il y a un exemple de Barwise et Perry pour montrer que c'est complètement indépendant de ce que le locuteur veut dire. Barwise et Perry donnent un exemple en disant « même si je suis un fou et que je crois que je suis Napoléon, si je dis « je », ça va me désigner moi-même le fou et pas Napoléon. Quelle que soit mon intention, ça ne va pas changer, puisque c'est une règle qui détermine la référence. La règle linguistique, elle va déterminer que je ne fais pas référence à Napoléon, mais à moi-même. Et de même, même si je crois à tort qu'on est en 1789, si je dis maintenant ou aujourd'hui, ça ne va pas faire référence à un jour en 1789, même si c'est mon intention. Donc, il y a cette idée qu'on a bien une sorte de divorce entre le sens ou le contenu qui est déterminé par les mots eux-mêmes, par le sens, par les règles du langage, de façon autonome, disons, et le contenu qui est déterminé par ce que le locuteur veut dire, le contenu pragmatique de l'acte de parole. Donc, du point de vue littéraliste, on garde l'idée qu'il y a un contenu qui est plus ou moins inhérent aux mots eux-mêmes et qui est distinct du contenu pragmatique qui est lié à l'activité de parole. Or, c'est cette idée littéraliste qu'il y a un contenu inhérent aux mots eux-mêmes que je critiquais à l'époque de la critique du représentationnalisme et que j'ai continué de, encore plus même à critiquer, en soutenant qu'on ne peut pas garder cette idée d'un contenu des mots eux-mêmes, que la phrase dit quelque chose. La phrase ne dit rien, c'est seulement les gens qui l'énoncent qui disent quelque chose. Ça, c'était une idée qui était très présente chez les philosophes du langage ordinaire. J'ai essayé de la défendre dans le contexte nouveau, beaucoup plus raffiné, des discussions sémantiques contemporaines. Et avant de, disons, d'en dire un peu plus, peut-être tout de suite je peux présenter l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, il faut faire un autre découpage du gâteau. Et dans la version des choses que j'ai défendue, on a d'un côté la signification linguistique, ça c'est déterminé par des règles du langage, indépendamment de ce que veut dire le locuteur, etc. Par contre, tant le sens exprimé littéralement, ce qui est dit, que ce qui est communiqué de façon plus indirecte, etc., tout ça, ça relève de ce que veut dire le locuteur, et c'est quelque chose qui est irréductiblement pragmatique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender si on n'a pas une appréhension globale de la situation de discours et notamment des représentations mentales des différents partenaires dans l'acte du discours. Donc ça, c'est le point. Mais avant d'indiquer un peu quels sont les points, de désaccord qui ont été particulièrement saillants ici entre les deux conceptions opposées, je voudrais souligner qu'il y a une version cognitive de cette du point de vue que j'ai exprimé du point de vue ici littéraliste, selon lequel on a deux sortes de contenus, le contenu sémantique, qui est le contenu des mots eux-mêmes, c'est relatif au contexte, mais ça suit des règles, etc., c'est le contenu proprement sémantique, par opposition au contenu pragmatique, qui concerne ce que le locuteur veut dire, et pas ce que la phrase elle-même dit. La version cognitive, c'est l'idée qu'il y a deux facultés, deux mécanismes mentaux, de modules, de tout ce qu'on voudra, complètement différents, qui se trouvent interagir dans la communication linguistique et dans l'interprétation des énoncés linguistiques, mais qui sont différents et qu'on peut prouver être différents par notamment l'étude
de la neuropsychologie, par toutes sortes de considérations proprement cognitives. Donc les deux mécanismes sont d'un côté la faculté de langage. La faculté de langage, c'est donc ce système très spécialisé que nous avons qui nous permet de traiter le langage humain, qui nous permet de parler, de comprendre, etc., qui inclut donc la grammaire essentiellement et différents composants à l'intérieur de cette faculté, différents modules, dont un module proprement sémantique, suivant ces théories qui sont les théories dominantes. Les théories que j'appelle littéralistes sont encore les théories dominantes sous une forme que je j'énoncerai un peu plus loin. Mais donc cette faculté de langage inclut, est censée inclure un composant sémantique, à côté du composant syntaxique et de toutes sortes d'autres composants. Et le composant sémantique permet d'assigner à toute phrase du langage un certain contenu, analysé en termes de conditions de vérité, mais enfin un certain contenu qui, dans les cas où la phrase est indexicale, dépend du contexte, mais de façon réglée, dépend du contexte en vertu de règles. Donc il y a un système de règles sémantiques que les sémanticiens, les gens qui étudient le langage sous l'aspect sémantique, sont censés expliciter sous forme d'une théorie avec des axiomes, des théorèmes, etc. Il y a donc un mécanisme compositionnel qui, à toute phrase d'une langue, même d'une phrase qu'on n'a jamais entendue, à partir simplement de la connaissance des règles du langage, du sens des expressions primitives, des règles de construction, etc., permet d'assigner à cette phrase un contenu. Donc il y a vraiment ce que la phrase dit, le sens exprimé, c'est le contenu que ce mécanisme permet en contexte d'assigner à la phrase, indépendamment, sans qu'on se préoccupe à aucun moment de ce que veut dire la personne qui nous parle. Et le contexte qui joue un rôle pour fixer le contenu, c'est un contexte dans un sens très étroit. C'est simplement parce qu'il y a des mots dans le langage qui renvoient à des aspects de la situation d'énonciation et qui ne prennent leur valeur que par rapport à la situation d'énonciation. Donc on sait qu'il y a des mots dont la valeur dépend du jour, du moment de l'énonciation. Il y a des mots dont la valeur, comme « je », dépend de la personne qui parle, etc. Donc on a besoin de certains aspects, certains paramètres contextuels pour fixer le contenu, mais ce sont les règles linguistiques elles-mêmes qui déterminent les paramètres, la façon dont, en fonction d'eux, on fixe le contenu, etc. Et au final, le composant sémantique, c'est une partie de notre équipement, une partie de ce qu'on a dans le cerveau qui nous permet, donc pour n'importe quelle phrase même qu'on n'a jamais entendue, de déterminer, de faire un calcul qui nous détermine le contenu, ce que la phrase dit. Et on a un tout autre mécanisme qui n'a absolument rien à voir, qui nous permet de déterminer autre chose, ce que le locuteur veut dire. Mais ça, il faut le mettre en perspective. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme qui, donc, je me situe là toujours dans ce cadre cognitif, l'autre mécanisme, c'est une autre faculté qui sert à faire d'autres choses, qui sert à comprendre les actions, donc pas le langage. C'est une autre forme de compréhension dont il s'agit, non pas la compréhension linguistique des mots et des phrases, mais la compréhension des actions. Qu'est-ce que c'est de comprendre une action ? Une action, c'est quelque chose qui est fait par un agent. Ce n'est pas simplement un mouvement corporel ou un comportement. Une action, c'est quelque chose que quelqu'un fait, et que quelqu'un fait parce qu'il est guidé exactement par certaines intentions, il a certains plans, il veut faire telle chose, il veut obtenir tel effet, etc. Quelqu'un qui agit suivant des intentions, c'est quelqu'un qui a certaines intentions d'agir, c'est-à-dire quelqu'un qui agit guidé par des états mentaux, guidé par certaines représentations mentales. Quelqu'un qui a des désirs, qui a des croyances, et qui fait ce qu'il fait parce que, étant donné ses croyances, il pense qu'agir comme il le fait est une façon de réaliser ses désirs, en gros. Donc il y a toute une façon d'expliquer l'action d'autrui en supposant chez autrui des intentions, des plans, des croyances, des désirs, en utilisant un certain mécanisme explicatif, un mécanisme psychologique qui consiste à expliquer donc le comportement en supposant chez l'agent certaines représentations mentales qui guident ce comportement et qui le rationalisent, qui en donnent la raison et qui fait qu'il est rationnel d'agir de cette façon. Et ça, cette capacité d'attribuer à autrui des intentions, des états mentaux, à expliquer le comportement d'autrui par cette attribution, c'est quelque chose d'assez spécifiquement humain, même s'il y a beaucoup de discussions en sciences cognitives pour savoir est-ce que les chimpanzés ont cette faculté qu'on appelle théorie de l'esprit, parce qu'il s'agit de faire la théorie que les autres êtres humains, disons, ont un esprit où il y a des intentions, des croyances, etc. Donc c'est une théorie explicative qui permet de rendre compte notamment du comportement. Donc la question se pose de savoir quels sont, disons, à part les êtres humains, qui a une théorie de l'esprit. La question se pose de savoir de l'émergence chez l'être humain de cette capacité, de ces étapes, les étapes graduelles de son développement, des cas où précisément elle est perturbée, est-ce que dans l'autisme cette faculté est perturbée, etc., etc. Donc il y a toute une connaissance de qui s'est accumulée concernant cette faculté-là. Et,
Et l'idée, en ce qui concerne maintenant, en revenant à la pragmatique, c'est que, donc, on explique les actions en prêtant à l'agent des intentions, en lui supposant des intentions qui expliquent, rendent compte des actions accomplies ou du comportement. Mais parler, c'est aussi faire un certain type d'action. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, il accomplit aussi un acte de parole. Et on veut aussi comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit, pourquoi il dit cela, pourquoi il fait cette action. Et là aussi, comprendre un acte de parole en ce sens-là, c'est comme comprendre n'importe quelle action, c'est attribuer une certaine intention à celui qui parle. Et l'intention sous-jacente à un acte de parole, du moins dans les cas standards, c'est une intention communicative. Ce qui fait que quelqu'un dit ce qu'il dit, c'est qu'il a une certaine intention de communiquer un certain contenu sur un certain mode, etc. Donc, expliquer un acte de parole, en rendre compte, l'interpréter, c'est comme interpréter une action. Si quelqu'un ouvre son parapluie, on interprète cela en disant bah, « tu crois sans doute qu'il pleut, il a l'intention de se protéger de la pluie ». Si quelqu'un dit « je suis français » alors qu'on vient de lui demander « pourquoi est-ce que vous savez cuisiner ?», on interprète également le fait qu'il dise ça en disant « il veut sans doute me communiquer que ceci ou que cela », etc. Donc l'attribution d'un vouloir dire, d'une intention communicative, est un mode de rationalisation de l'acte de parole qui est analogue au mode de rationalisation de n'importe quel acte que l'on peut faire en attribuant des intentions à autrui. Et donc, la compréhension de ce que communique, de ce que veut nous dire la personne qui parle, de ce qu'il communique par son énoncé, relève d'un mécanisme mental qui est le mécanisme de l'explication de l'action, alors que la compréhension de ce que la phrase dit relève d'un autre mécanisme mental qui est le système du langage qui nous permet d'attribuer de façon plus ou moins mécanique à n'importe quelle phrase une signification linguistique. Et les deux interagissent ou sont censés interagir dans la communication et dans l'interprétation des énoncés linguistiques parce que le mécanisme d'explication des actions, le mécanisme qui cherche à comprendre ce que le locuteur veut dire, ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de nous communiquer, ce mécanisme-là va utiliser comme prémisse les résultats du mécanisme proprement linguistique. Donc on a une partie de notre cerveau, si je puis m'exprimer ainsi, qui, quand la phrase est énoncée, calcule son sens, calcule son contenu, et puis une autre partie qui se demande, bon, pourquoi il me dit cela ? Pourquoi est-ce qu'il énonce une phrase qui a ce contenu ? Et il y a plusieurs hypothèses possibles. Une hypothèse, c'est qu'il cherche à me communiquer ce contenu, par exemple. Il me dit qu'il est français. Pourquoi ? Peut-être qu'il cherche à me communiquer qu'il est français. Il cherche à me dire qu'il est français. Et si c'est une hypothèse, si elle paraît conforme, on l'adopte et à ce moment-là, on a expliqué ce que le locuteur voulait dire d'une façon très directe à partir de ce que le locuteur dit. Mais il y a beaucoup de cas où ça ne suffit pas. Si quelqu'un fait de l'ironie, l'hypothèse que la personne cherche réellement à communiquer ce qu'il a dit n'est pas tout à fait acceptable. Il faut à ce moment-là faire une hypothèse un peu plus compliquée. Disons que on n'est pas forcé d'aboutir, quand on cherche à comprendre ce que le locuteur veut dire, à une identité entre ce qu'il veut dire et ce qu'il dit. Donc il y a beaucoup de cas où ce que le locuteur veut dire, la meilleure explication de ce que le locuteur veut dire, ne va pas être une explication où il y aurait identité entre ce qu'il veut dire et ce qu'il a dit effectivement. Il y a beaucoup de cas où on va supposer que ce qu'il veut dire et qui explique qu'il se soit exprimé comme il l'a fait est plus inclusif, contient plus que ce qu'il a dit, ou dans certains cas diverge de ce qu'il a dit et quelque chose de différent où il a simplement voulu faire comme s'il disait une certaine chose afin de communiquer quelque chose d'autre. Et en fait, il y a toutes sortes de mécanismes qui aboutiront à une divergence entre ce qui est dit et ce que le locuteur veut dire. Mais le point important, c'est qu'on a un mécanisme spécial pour comprendre ce que le locuteur veut dire, qui est le mécanisme général de l'explication de l'action, compte tenu de tout ce qu'on peut savoir des croyances ou des états mentaux de l'interlocuteur ou de la personne qui parle. On a un certain mécanisme, et que ce mécanisme va utiliser comme prémisse l'attribution en quelque sorte préalable à la phrase d'un certain contenu, attribution qui est effectuée par le module linguistique ou par le sous-module sémantique du module linguistique. Donc c'est comme ça que voit, c'est dans cette version cognitive qu'on peut présenter l'opposition entre le contenu proprement sémantique calculé par un module et le contenu pragmatique de l'acte de parole calculé par un autre module en tenant compte des résultats du premier. Donc ça, c'est une version cognitive qui a beaucoup de vrai en elle parce que c'est probablement le cas que dans le langage, dans la compréhension linguistique, dans la communication, on utilise des ressources. D'une part, la ressource de cette faculté de langage, qui est quelque chose de très spécialisé, et d'autre part, des ressources de, notamment, la compréhension qu'on a des êtres humains, du fait qu'ils agissent avec des intentions, des croyances, des désirs, et on a les deux qui interagissent, notamment au niveau pragmatique. Mais là où j'ai voulu critiquer cette idée littéraliste,
c'est simplement sous la forme particulière qui est prise par l'opposition des deux composants, et notamment dans cette idée que ce que fait le composant linguistique ou le composant sémantique à l'intérieur de la faculté de langage, c'est de nous donner un contenu, comme si les phrases elles-mêmes, en vertu des règles du langage, avaient un certain contenu, représentaient un certain état de choses, pouvaient être évaluées comme vraies ou fausses, etc., indépendamment de ce que le locuteur veut dire, indépendamment des facteurs qui ont trait essentiellement aux intentions et à toutes sortes de prémices contextuelles qui peuvent être pertinentes pour déterminer les intentions du locuteur. Et donc ce que j'ai fait dans mon travail des 15 dernières années, et je dois dire que j'étais pas seul à faire ce genre de choses, mon collègue Dan Sperber lui-même a beaucoup œuvré dans cette direction, c'est critiquer l'idée que le composant proprement linguistique, notamment le composant sémantique, nous donne véritablement des contenus, nous donne accès à des contenus qui soient des choses, des représentations complètes d'état de choses, ou des telles choses notamment, qui puissent être évaluées comme vraies ou fausses, suivant que ces contenus correspondent ou non aux états de choses qu'ils prétendent décrire. Et la suggestion que nous faisons, enfin le point de vue que nous essayons de défendre, encore une fois ce n'est pas si facile parce que le point de vue adverse est très bien représenté et que beaucoup de succès ont été obtenus, comme je le disais, dans un cadre essentiellement littéraliste. Le point de vue que nous essayons de défendre, c'est l'idée que la signification linguistique, enfin les choses qui sont déterminées par les règles du langage, par le système, la faculté proprement linguistique, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que des représentations évaluables, que des contenus, que le genre de contenu de pensée que nous pouvons former quand nous comprenons les énoncés. C'est des choses qui sont abstraites, qui nous livrent seulement des contraintes sur des contenus possibles, mais pas des contenus complètement déterminés. Et pour obtenir des contenus complètement déterminés, on a besoin de beaucoup de considérations pragmatiques qui relèvent précisément de ce que le locuteur veut dire, et qui, comme tout ce qui concerne ce que le locuteur veut dire, dépend du contexte d'une manière complètement radicale, au sens où n'importe quel aspect des connaissances d'arrière-plan des interlocuteurs peut se révéler pertinent et peut avoir une influence finalement sur l'interprétation. Donc, de notre point de vue, c'est une erreur de voir la dépendance contextuelle du contenu au niveau du sens exprimé comme étant quelque chose de réglé, comme dans le cas de « je », où on a cette règle « je désigne la personne qui parle » et on peut fixer la référence sans s'occuper de ce que veut dire le locuteur, sans s'occuper du contexte, sauf sous l'aspect très très limité de ce paramètre « identité de la personne qui parle ». Il est beaucoup plus révélateur de partir d'un autre type d'expression. Prenons le cas du génitif, enfin des expressions comme le livre de Jean. Une expression comme le livre de Jean, sa signification est très sous-déterminée, en ce sens où, en parlant du livre de Jean, je peux parler soit du livre qu'il a écrit, soit du livre qu'il a lu, soit du livre qu'il a acheté, soit du livre sur lequel il est assis, soit du livre qu'il déteste. En fait, n'importe quoi, du livre qu'il a déchiré, n'importe quelle relation saillante contextuellement entre le livre et Jean peut être la relation pertinente. Donc ici, les mots eux-mêmes ne nous disent pas quelle est la bonne relation. Dans un contexte, ça va être le livre qu'il a écrit, dans un autre contexte, ça va être le livre qu'il a acheté ou qu'il a lu. C'est comme s'il y avait une variable au niveau de la signification linguistique à laquelle il faut assigner en contexte une valeur, mais la valeur doit être assignée en contexte, elle n'est pas prédéterminée, et il n'y a pas de règle pour la déterminer. Qu'est-ce qui va déterminer la bonne relation entre le livre et Jean? C'est simplement l'intention du locuteur, ce qu'il a l'intention de communiquer, ou du moins l'intention du locuteur telle qu'elle est manifestée dans ce contexte, telle qu'elle est révélée dans le contexte. Donc ici, on a besoin véritablement de faire appel à des conditions pragmatiques. On a besoin de faire appel aux intentions, aux croyances d'arrière-plan, à n'importe quel élément du contexte qui peut révéler précisément les intentions du locuteur pour fixer le contenu. Parce que sinon, il y a un aspect du contenu qui ne peut pas être fixé. Donc déjà, on s'aperçoit que cette opposition du point de vue littéraliste entre le contenu de la phrase, qui est déterminé de façon autonome par les règles du langage, sans s'occuper des intentions du locuteur, de ce qu'il veut dire, ou du contexte dans un sens plus large, l'opposition entre ce contenu de la phrase et le contenu qui est vraiment le contenu d'un acte de parole accompli par un individu en chair et en os dans un contexte réel, cette opposition ne tient pas parce qu'il y a des aspects du contenu au niveau 2, disons, des aspects du sens exprimé, qui ne pourront pas être fixés si on ne prend pas en considération déjà les choses au niveau véritablement pragmatique. Donc le contenu qu'on a ici, le contenu intermédiaire, le contenu exprimé littéralement,
n'est pas simplement quelque chose qui est fixé par les règles du langage, même relativement à un contexte réduit. On a besoin, pour le fixer, de prendre en considération le contexte dans un sens plus large, et notamment les intentions du locuteur. Donc ça, ça nous permet, disons, de rejeter une forme de littéralisme qui n'est pas le littéralisme fort dont je parlais au début, quand je disais que la forme forte du littéralisme dit que la dépendance contextuelle peut être mise entre parenthèses, elle est éliminable, même si elle est très répandue, elle n'est pas essentielle. Il y a une forme plus faible qui reconnaît que la dépendance contextuelle est essentielle, le contenu dépend essentiellement du contexte, mais qui dit que cette dépendance du contenu littéral par rapport au contexte est quand même une affaire de règles du langage. La façon dont le contenu est déterminé en contexte est fixée par les règles, et on n'a pas besoin de s'occuper de choses véritablement pragmatiques. On n'a pas besoin d'entrer dans la tête des interlocuteurs, de faire des inférences, etc. Et ça, des exemples comme le livre de Jean, et comme en fait presque tous les cas de dépendance contextuelle sont des cas de ce genre, de ce qu'on appelle sous-détermination sémantique plutôt qu'indexicalité, tous ces cas montrent qu'on ne peut pas fixer un contenu complet si on ne fait pas appel à des considérations véritablement pragmatiques. Mais ici, le littéraliste a encore une position de repli, et la position de repli que je vais décrire est actuellement la position dominante. C'est-à-dire que la position que je viens de décrire, le littéralisme faible, qui oppose ce qui est déterminé par les règles du langage, le contenu de la phrase d'une part, d'autre part ce qui est déterminé par la pragmatique, le contenu de l'acte de parole, ce que veut dire la personne qui parle d'autre part, eh bien, cette opposition-là ne peut pas être maintenue parce qu'il y a trop de cas où on a besoin de faire appel aux intentions du locuteur, on n'a pas le choix, disons. On n'a pas de règles qui nous permettent de fixer un aspect du contenu. On ne peut pas faire autrement que, en quelque sorte, d'interroger le locuteur ou d'essayer de deviner ce qu'il veut dire. C'est la seule façon qu'on a. Par exemple, si quelqu'un emploie la troisième personne et dit « il », viendra un peu plus tard. À qui fait-il référence par « il » ? Que nous donne le matériel linguistique ? Il nous donne simplement le fait qu'il s'agit d'une personne de sexe masculin. Éventuellement, c'est tout ce qui est encodé. Et sinon, le référent de « il » ici, c'est simplement celui à qui la personne qui parle est en train de faire référence. Et pour comprendre qui c'est, il faut, encore une fois, supposer que cette personne est en train de nous communiquer, enfin, essayer de voir quelle hypothèse il est plausible de formuler concernant l'intention qu'a la personne qui est en train de parler. Donc on ne peut pas maintenir cette idée de ces deux systèmes, un système qui regarde les intentions de celui qui parle et qui essaie d'expliquer les actes de parole et les actions, et l'autre système qui regarde juste les mots, qui a des règles et qui permettent de déterminer des contenus qui sont véhiculés de façon autonome par les mots et les phrases. Donc à partir du moment où on a abandonné cette position que j'appelle le littéralisme faible, on a une position de repli si on est littéraliste, et si on maintient à l'idée que les phrases elles-mêmes ont du contenu et que c'est différent du contenu des actes de parole, du contenu de ce que communiquent effectivement les locuteurs. Et la position de repli, j'appelle ça le minimalisme. Et c'est l'idée, donc on concède qu'il y a beaucoup de cas où il faut faire appel aux intentions du locuteur pour fixer le contenu, on n'a pas le choix, mais néanmoins, le contenu qui est exprimé, c'est quand même le contenu de la phrase. Pourquoi ? Parce qu'on ne va faire appel aux intentions du locuteur que quand il y a quelque chose dans la phrase qui nous le demande. C'est-à-dire que c'est la phrase qui commande, c'est la signification linguistique, c'est les règles du langage qui commandent. Il y a certains mots, comme justement cette construction, le livre, le X, le Y, le livre de Jean, qui sont comme des jokers. Quand quelqu'un l'utilise, il n'y a pas une valeur sémantique qui est prédéterminée, c'est la personne qui parle qui assigne la valeur qu'il veut, comme avec un joker, on lui donne la valeur qu'on veut. Et il y a des mots comme ça, il y a des expressions qui sont comme ça dans la langue. Donc quand dans la phrase il y a une telle expression, pour fixer le contenu de la phrase, on doit dire, ok, quel est le sens que veut dire le locuteur, et on met la bonne valeur dedans. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de mélange des deux systèmes, disons, les deux systèmes, le système proprement linguistique et le système, disons, des explications des actions, se mélangent un petit peu, mais tout ça c'est sous le contrôle du système linguistique qui, dans certains cas, délègue à l'autre système la fixation de la valeur sémantique de certaines expressions. Donc, de cette façon-là, on a une notion du contenu exprimé, qui est bien le contenu de la phrase, qui est sous le contrôle des règles du langage, déterminé par les règles du langage, qui fait appel à la pragmatique pour fixer certaines valeurs, mais seulement dans certaines limites. Alors que le contenu communiqué, ce que dit ou ce que veut dire réellement la personne qui parle,
ça peut aller bien au-delà de ce que demandent les mots eux-mêmes. On peut enrichir autant qu'on voudra le message par toutes sortes de choses qui viennent du contexte sans être en aucune façon encodé linguistiquement, sans correspondre à quelque chose, même pas à un joker ou à une variable dans la signification linguistique. Donc on a bien la différence entre ces... le contenu véritablement pragmatique, ce que veut dire le locuteur, qu'on détermine essentiellement de façon contextuelle en utilisant comme prémisse le contenu sémantique, et puis d'autre part le contenu sémantique qui lui-même est déterminé par les règles du langage et qui fait appel dans certains cas à la pragmatique simplement pour fixer certaines valeurs quand le langage lui-même nous le demande ou quand les mots lui-même, eux-mêmes nous le demandent. Donc ça, c'est la position actuellement dominante qui garde cette opposition du contenu sémantique qui est un peu pragmatisé et du contenu pragmatique proprement dit. Et l'effort de ceux que, depuis finalement pas très très longtemps, j'appelle les contextualistes, et il y a toute une variété de positions contextualistes, l'effort consiste à disputer à la sémantique ce niveau ici, en disant que ce niveau de contenu ici, le niveau intermédiaire, le contenu exprimé, finalement n'est lui-même qu'un aspect de ce que veut dire le locuteur. En fait, c'est le schéma que j'avais fait ici. En fait, il y a la signification linguistique, la sémantique s'occupe de cela, essentiellement. Et puis, il y a ce que veut dire le locuteur. Il y a des choses qui relèvent de l'acte de parole, de l'activité de communication, des choses qu'on évalue dans un contexte riche en faisant appel à toutes sortes de prémices et notamment en essayant de déterminer les intentions du locuteur. Et à l'intérieur de cette réalité pragmatique, qu'est-ce que veut dire le locuteur? On va distinguer différentes choses. Il y a ce qu'il dit, le locuteur, qui est un aspect. Et puis, il y a d'autres choses qui sont communiquées de façon plus indirecte. Ce qu'il dit ou ce qu'il fait comme s'il disait, parce que, disons qu'ici, il y a des petites complications. En tout cas, ces deux niveaux de sens, on était parti de la triade initiale, signification linguistique, sens exprimé, et puis le reste, disons, des choses qui sont communiquées sans faire partie du sens exprimé linguistiquement. Et du point de vue littéraliste, on a ces deux niveaux-là qui sont comme les deux faces d'une même pièce, qui sont des aspects du sens littéral fixés par les règles du langage, et qui s'opposent à ce que veut dire le locuteur, au sens pragmatique. Du point de vue contextualiste, on découpe le gâteau différemment. Le niveau intermédiaire, on le met du côté de la pragmatique. On dit que le niveau intermédiaire, c'est un aspect de ce que le locuteur veut dire, enfin, d'une certaine façon, plutôt, en tout cas, c'est quelque chose qui est déterminé pragmatiquement. C'est-à-dire que ce qu'on nie, en fait, ici, parce que là, il s'agit de discussions qui sont finalement assez fines, souvent sur des points de détail, et il y a un ajustement mutuel des positions. Il s'agit véritablement de discussions sur l'interface sémantique pragmatique qui ont lieu actuellement. Ce qu'on va nier essentiellement, c'est la position minimaliste qui nous dit qu'on ne va faire appel à des aspects contextuels du sens, notamment à ce que veut dire le locuteur, etc., que lorsqu'il y a quelque chose dans la phrase qui nous le demande, que lorsqu'il y a une variable qui demande à recevoir en contexte une certaine valeur. Ça, c'est la position minimaliste qui est une position de repli, qui permet de préserver l'idée générale qu'il y a un contenu qui est déterminé par les règles du langage, par la phrase. Et ce que va faire le contextualiste, c'est remettre cela en cause en disant que on a la signification linguistique. En contexte, on va fixer les valeurs des variables qui ont besoin de recevoir une valeur en contexte. Donc ça, on est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. On va faire ça en regardant les intentions du locuteur, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en même temps, on va faire plus que ça. On ne va pas seulement fixer des valeurs, des variables là où il y en a besoin, on va aussi librement enrichir, élaborer, appauvrir, transformer la représentation sémantique que l'on obtient simplement par le décodage proprement linguistique. C'est-à-dire que la signification linguistique, on va non seulement fixer les valeurs là où il y a des variables, mais on va faire d'autres choses, et ces autres choses qu'on va faire ne sont pas commandées par la signification linguistique elle-même. On va faire d'autres choses qui sont demandées par le contexte. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un travail, disons, de transformation pragmatique du sens pour obtenir le contenu exprimé contextuellement. Il va y avoir toutes sortes de processus contextuels ou pragmatiques qui ne sont pas commandés par la signification linguistique elle-même, ou qui sont, si l'on veut, de haut en bas, qui viennent du contexte au lieu d'être de bas en haut et de venir du signal linguistique lui-même. Donc ça, c'est une des idées centrales. Alors, pour prendre des exemples qui sont très très
sujet à controverse, c'est donc, mais c'est, sont simplement illustratifs. Prenons un exemple analogue, l'exemple du « je suis français, est-ce que je peux cuisiner, etc. » Supposons encore un couple question-réponse où quelqu'un me propose de partager un encas, enfin, de manger quelque chose, et je réponds, ou quelqu'un me propose de partager simplement son déjeuner, et je réponds, j'ai pris un petit déjeuner copieux. Ça paraît une phrase française correcte. Donc là, c'est un cas typiquement où on a la signification linguistique de la phrase « j'ai pris un petit déjeuner copieux ». Dans cette phrase, on a « je », qui, signification de « je », c'est une certaine règle qui permet de fixer la référence, etc., etc. Au niveau du sens exprimé, au niveau du contenu, on va fixer la valeur de « je » comme étant récanatis, c'est le locuteur, c'est moi qui parle, on va faire des choses de ce genre. On va fixer le passé comme passé par rapport au moment de l'énonciation, on va fixer le moment de l'énonciation, ça va permettre de voir à quel moment du temps on fait référence, enfin en tout cas quelle période, etc., etc. On va faire un certain nombre de choses de ce genre-là. Et quand on aura fixé le contenu, on va pouvoir déterminer notamment ce que veut dire la personne qui parle, le contenu communiqué, dans la mesure où il va au-delà ici du contenu exprimé, et il est très clair qu'en disant « j'ai pris un petit déjeuner copieux », je veux dire que je ne veux pas ce qu'il m'offre, j'ai pas faim. Ça, donc on conçoit très clairement qu'il est communiqué par cet énoncé que le locuteur n'a pas faim, et il communique cela en disant qu'il a pris un petit déjeuner copieux. Maintenant réfléchissons à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut arriver à la proposition que le locuteur n'a pas faim, à partir de la proposition qu'il a pris un petit déjeuner copieux, ou qu'il a fait un copieux petit déjeuner, excusez-moi, c'est mélange des langues. Eh bien, je fais simplement remarquer que pour arriver à faire cette inférence, il faut interpréter le contenu, ici, dont on va pouvoir tirer que le locuteur n'a pas faim, il faut l'interpréter comme signifiant que le petit déjeuner copieux du locuteur a eu lieu le matin même, le jour même. Il ne faut pas interpréter ça comme signifiant qu'une fois dans sa vie, il a pris un petit déjeuner copieux. Mais en même temps, il n'y a rien dans la phrase elle-même. La phrase, c'était quoi ? J'ai pris un copieux petit déjeuner. Non, j'ai quoi ? J'ai fait un copieux petit déjeuner. Non, il n'y a rien dans la phrase « j'ai fait un copieux petit déjeuner » qui indique qu'on est en train de parler de ce qui s'est passé le jour même. On pourrait imaginer un contexte extrêmement bizarre où des martiens évoqueraient des expériences terrestres qu'ils ont faites quand il y a 10 ans ils ont visité la Terre. On peut supposer qu'ils ne se nourrissent pas eux-mêmes, ils ont un autre système. Et la notion de petit déjeuner est une notion purement terrestre. Donc dans un de leurs voyages touristiques, il y en a un qui a fait cette expérience humaine de prendre un copieux petit déjeuner, de même que nous, on peut dire, faisant référence à une expérience touristique, j'ai mangé du chameau. Si on dit j'ai mangé du chameau, on ne veut pas dire qu'on a mangé ce matin même. On veut dire que ça nous est arrivé. Donc il y a une interprétation possible de cette phrase j'ai fait un copieux petit déjeuner, qui est comme l'interprétation de j'ai mangé du chameau, c'est-à-dire qui signifie simplement que dans le passé, c'est une chose qui m'est arrivée. Donc la référence spécifique au jour même, comme étant le jour où c'est arrivé, c'est quelque chose qui, dans une certaine analyse, encore une fois pas toute, il y a beaucoup de discussions là-dessus, qui n'est pas demandé par quelque chose dans la phrase elle-même, la phrase « j'ai fait un copieux petit déjeuner ». C'est simplement parce que cette phrase n'est pertinente dans ce contexte que si on est en train de parler de ce qui s'est passé le jour même, que l'on comprend le contenu comme portant sur le jour même, que l'on comprend ce qui est dit ici comme étant que le locuteur a fait un copieux petit déjeuner ce matin même. Et c'est uniquement si on comprend ça comme ça qu'on peut en inférer que le locuteur n'a pas faim. Parce que s'il avait pris il y a 10 ans un petit déjeuner, il n'y aurait aucune raison qu'il n'ait pas faim maintenant. Et donc du coup l'énoncé ne répondrait pas à la question posée. Et donc parce qu'on essaie de concevoir l'énoncé comme répondant à la question posée, on essaie de tirer de son contenu ce qu'il faut pour obtenir une réponse. Et du coup on est conduit à enrichir son contenu, mais à l'enrichir le contenu d'une façon qui va au-delà de ce que la phrase elle-même demande. Car la phrase ne nous demande pas de fournir la période en question. Elle nous dit simplement que dans le passé, il y a eu cet événement. Elle ne nous demande pas de restreindre l'intervalle temporel dont il est question. Encore une fois, dans une certaine analyse. Il y a d'autres analyses qui nous diront qu'il faut toujours fournir un intervalle temporel quand on a un passé composé. Encore une fois, là, il y a toutes sortes de questions qui sont discutées. Mais dans au moins une analyse, on voit que pour obtenir le contenu exprimé, on fait non seulement des processus qui consistent à assigner des valeurs aux variables qui le demandent, mais aussi on ajoute des déterminations qui paraissent simplement pertinentes et dans le contexte pour obtenir un contenu qui soit le contenu qu'il est vraisemblable d'attribuer au locuteur comme contenu de son acte de parole. Donc il y a du travail pragmatique ici qui va bien au-delà de ce que les règles du langage demandent. Et autre exemple du même genre, si quelqu'un
dit « il a pris sa clé et a ouvert la porte », on comprend instantanément que la porte a été ouverte avec la clé mentionnée dans le premier membre de la conjonction. Mais encore une fois, rien dans la phrase ne le demande. La phrase est littéralement compatible avec le fait que la personne dont on parle ait pris sa clé et ouvert la porte d'une autre façon, pas avec la clé. Il y a ici quelque chose dans notre interprétation qui vient immédiatement à l'esprit, un aspect de l'interprétation qui ne correspond à rien dans la phrase. Il n'y a rien dans la phrase qui nous force à préciser la façon dont la porte a été ouverte. Et d'ailleurs, même si on le précisait, si on disait « il a pris sa clé et a ouvert la porte avec la clé », il y aurait encore d'autres façons d'interpréter cela qui seraient naturellement fournies pragmatiquement, sur une base pragmatique, sans être demandées par quelque chose dans la phrase. Le fait, par exemple, qu'il a ouvert la porte avec la clé en mettant la clé dans la serrure, c'est quelque chose qu'on comprend naturellement. Mais il aurait pu aussi ouvrir la porte avec la clé en l'utilisant comme une hache, si c'est une clé géante, etc. Il y a mille façons d'interpréter cela. Il y a toujours mille façons d'interpréter la chose. Quand on interprète l'énoncé, on l'interprète d'une certaine façon. Et il y a bien des aspects de cette interprétation, bien des aspects de ce qui est dit, des conditions de vérité, de la façon intuitive dont on l'interprète. Il y a bien des aspects qui ne correspondent à rien dans la phrase, mais ce sont des aspects de l'interprétation qu'on fournit pour des raisons purement pragmatiques. Et à chaque fois, le sens exprimé, ce qui est dit, ou la façon dont on interprète ce qui est dit, reste distinct des choses qui sont communiquées indirectement, comme c'est le cas dans l'exemple que j'ai pris précédemment, c'est-à-dire l'exemple du « j'ai déjeuné ». On comprend que j'ai fait un copieux petit déjeuner. Ce qui est dit, c'est « j'ai fait un copieux petit déjeuner, sous-entendu ce matin ». Et de là, on infère « je n'ai pas faim ». On a bien encore ces deux niveaux, mais ces deux niveaux apparaissent les deux comme marqués par un travail pragmatique qui va au-delà de ce qui est simplement dicté par les règles du langage. Donc ça, c'est la position qui nous conduit à essayer, disons, de disputer à la sémantique, disons, ce niveau du contenu exprimé ou des conditions de vérité, en disant que déjà à ce niveau-là, on est plutôt du côté de la pragmatique, du côté, disons, d'une représentation de ce que le locuteur veut dire ou de choses qui dépendent du contexte, au même titre que ce que le locuteur veut dire, du contexte dans un sens extrêmement riche et inclusif. Et on n'est pas du côté de ce calcul, disons, qu'on peut faire simplement à l'aide des règles du langage. Alors, face à cet assaut contextualiste que, soit dit en passant, je mène particulièrement dans le dernier livre que je viens d'envoyer à Cambridge University Press, qui en sera l'éditeur. Le livre s'appelle « Literal Meaning », le sens littéral. Donc face à cet assaut, évidemment, les littéralistes, et il faut bien dire que la sémantique contemporaine, et par sémantique contemporaine, je veux dire la sémantique formelle qui utilise les méthodes logiques de la théorie des modèles, etc., dans l'ensemble se situe dans ce cadre littéraliste, dont elle s'est petit à petit éloignée. Au départ, c'était le littéralisme fort, ils sont passés au littéralisme faible, la philosophie sous-jacente. Maintenant, c'est le minimalisme. Et ma tentative comme philosophe du langage, c'est d'essayer de persuader les gens que puisqu'on a fait tout ce chemin, on peut aller encore un peu plus loin vers le contextualisme. Évidemment, la question se pose de savoir est-ce que c'est compatible avec les résultats techniques, et on peut espérer que oui, mais en tout cas, là, il s'agit de la discussion philosophique de comment se présentent les choses. Et face à cet assaut contextualiste, donc, je connais bien les réponses qui sont faites. Et bon, il y a essentiellement deux grandes ligne argumentative de la part des défenseurs du minimalisme. Une ligne consiste à dire que à chaque fois qu'il y a un aspect du contexte, de ce que le locuteur veut dire, qui émerge et qui semble faire partie du contenu intuitif de l'énoncé, eh bien à chaque fois, dans tous les exemples que je donne, par exemple, il y a en fait, si on fait une bonne analyse sémantique assez raffinée, comme savent le faire justement les sémanticiens formels, on s'aperçoit qu'il y a caché dans la forme logique quelque part une variable inaperçue. Par exemple, on dira que j'ai fait un copieux petit déjeuner. Il y a plein de façons de l'analyser. Mais on dira que une façon toute simple, c'est de dire que ça quantifie sur les temps et ça nous dit qu'il y a un moment T dans le passé, tel que à ce moment, c'est un moment où je fais un copieux petit déjeuner. Donc ça, ce serait, disons, la signification en quelque sorte littérale de l'énoncé, qui représente une quantification. Or, à chaque fois qu'il y a quantification, c'est une théorie possible. Si je dis, par exemple, tout le monde est venu, il y a toujours ce qu'on appelle une restriction contextuelle du domaine, c'est-à-dire que quand je dis « tout le monde est venu », il faut d'abord identifier le domaine de quantification, tout le monde dans un certain domaine. De qui je parle, tout le monde à l'école des hautes études, tout le monde ici, tout le monde là, il faut identifier le domaine
Et à chaque fois qu'il y a quantification, il faut identifier le domaine. Si on admet cette idée, qu'on peut aussi rejeter, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement une variable de domaine en forme logique où on peut analyser les choses différemment. Mais si on analyse cette idée, on pourra dire que quand je dis j'ai fait un copieux petit déjeuner et que ça signifie il y a un moment T dans le passé où j'ai fait un copieux petit déjeuner, eh bien, ce moment T va être localisé, il faut le prendre dans un certain domaine de moment du passé. Et on peut très bien contextuellement restreindre à un ensemble de moments correspondant au jour présent, à tous les moments écoulés du jour présent. Donc ce sera une façon contextuellement de restreindre le domaine de quantification. Et une telle restriction du domaine, encore une fois, n'est que l'assignation en contexte d'une certaine valeur à une certaine variable, une variable D pour le domaine qui se trouverait quelque part, si on analyse véritablement la chose, il y a un certain moment T dans D, où D est une variable de domaine qu'il faut identifier, tel que à T, je fais un copieux petit déjeuner. Et à ce moment-là, la différence entre l'interprétation, disons, martienne et l'interprétation normale de j'ai fait un copieux petit déjeuner serait simplement une différence dans deux façons de donner une valeur en contexte à la variable D, mais c'est bien quelque chose dans la phrase qui nous obligerait à faire cela. Donc ce ne serait pas quelque chose de gratuit, de en plus. Le fait de faire référence au jour présent ne serait pas quelque chose de gratuit et de en plus, de purement pragmatique. Ce serait quelque chose qui serait commandé par les mots eux-mêmes. De même, pour prendre un autre exemple, que je n'ai pas mentionné, mais qui est un des exemples canoniques de cas où on va au-delà de ce que le langage nous demande. Quand j'ouvre la fenêtre et je dis « Ah, il pleut », ben, je veux dire qu'il pleut ici, maintenant, là où nous sommes, pas à Honolulu. Pourtant, rien dans la phrase ne nous dit qu'on n'est pas en train de parler de Honolulu. Si j'étais au téléphone et que je pourrais dire « il pleut » et signifier par là « il pleut à Honolulu », ou si on est en train de parler de Honolulu, je dis « oui, il pleut ». Plus en ce moment, je veux dire à Honolulu, etc. Donc là, la référence au lieu, c'est quelque chose aussi qui est fourni dans l'interprétation sans que ça corresponde à quelque chose, sans que ce soit demandé par quelque chose dans la phrase, sans qu'il y ait une variable, etc. Ça, c'est le genre d'analyse que moi je donne, ou John Perry dont je parlais tout à l'heure. Mais on peut aussi dire, comme d'autres, que si on fait une bonne analyse de « il pleut », on va s'apercevoir qu'en la forme logique, quelque part, il y a une variable « l », que « il pleut », en fait, c'est « il pleut à elle », cette chose n'est pas prononcée, on ne l'entend pas, mais elle est là, et la preuve qu'elle est là, c'est qu'on peut lier cette variable par un quantificateur, on peut dire à chaque fois que je pars en vacances dans un pays que je ne connais pas, « il pleut », là, on a encore le « il pleut », mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « il pleut », c'est comme s'il y avait une variable « à elle » où « elle » est liée par le quantificateur dans tout... Et donc, le fait qu'on suivant ces théories, il ne peut y avoir de liaison de variable que s'il y a une variable, il ne peut y avoir ces phénomènes de liaison que si il y a une variable à lier. S'il y a une variable, ça montre bien que même quand je dis il pleut, il y a une variable, donc vous avez tort, il y a une variable, et on est bien dans le cadre du minimalisme. Évidemment, moi je rejette ces analyses qui reposent celle-là en l'occurrence sur un sophisme, mais voilà où en sont les discussions. Ça, c'est une des possibilités, une des possibles réponses du minimaliste, à quoi je m'échoue moi-même à faire des réponses, à faire des réponses. Une des possibilités, c'est celle-là, c'est l'idée de multiplier les variables indexicales. Et une autre possibilité, qui est peut-être plus importante encore, plus canonique, mais qui peut aussi se mélanger à la première, consiste simplement à distinguer systématiquement le contenu sémantique, le contenu des phrases, elles-mêmes, en vertu des règles du langage, du contenu intuitif, de ce que nous comprenons quand nous comprenons ces phrases. Donc, la réponse qu'on fait ici, c'est que, vous avez raison, le contenu intuitif des énoncés, c'est quelque chose qui est pragmatique, ça relève de ce que le locuteur veut dire, même si ce n'est pas la même chose que le contenu plus indirect qu'on arrive à communiquer par ces mêmes énoncés. Donc tout ça, c'est admis qu'il y a ces deux niveaux-là de pragmatique, et que tout ça, c'est vraiment pragmatique. C'est admis. Mais, il y a quand même un niveau de contenu, qu'on va appeler le sens ou le contenu minimal, qui est véritablement déterminé par les règles du langage, qui est un contenu complet, déterminé relativement au contexte par les règles du langage. Simplement, ce contenu minimal des phrases, on n'en est pas conscient. C'est quelque chose qui n'affleure pas à la conscience. Ce qui affleure à la conscience, c'est simplement tout ce qui est pragmatique. Donc on a certains contenus que nous assignons intuitivement aux phrases. Le pragmaticien, le contextualiste a raison de dire que ces contenus reposent sur une large part de considérations pragmatiques, donc ce n'est pas de la sémantique,
Mais il y a quand même un autre contenu. En fait, maintenant, on a quatre niveaux de sens au lieu de trois. Il y a un autre niveau de contenu qui, lui, est purement sémantique, fixé seulement par les règles du langage. Et puis, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient. Et une des questions qui se pose, et là, je reprends mes habits contextualistes pour discuter cette proposition. Et la première question qui se pose, c'est est-ce que ces contenus qui ne sont pas intuitifs? Pour donner un exemple de tel contenu, quand on a une phrase comme « Jean a trois enfants », on me demande combien Jean a-t-il d'enfants, je dis « il a trois enfants ». Ben, le contenu minimal exprimé par cette phrase serait le contenu qu'il a au moins trois enfants, et c'est compatible avec le fait qu'il en ait six, qu'il en ait sept, qu'il en ait douze. Ce serait le contenu minimal. Pour obtenir le contenu intuitif où ça signifie qu'il a exactement trois enfants, il faudrait ajouter quelque chose de pragmatique, un peu sur le même modèle de ce qu'on ajoute pour obtenir, à partir de quelques étudiants sont venus, pour obtenir l'implication que tous ne sont pas venus. Là, en disant que trois enfants sont venus, ce qui signifie littéralement trois enfants au moins. Néanmoins, pragmatiquement, on exclut les valeurs supérieures, parce que si c'était elle, s'il n'avait plus trois enfants, il aurait fallu le dire dans ce contexte. Or, on ne l'a pas dit, donc ça montre que ce n'est pas vrai, donc il n'a pas plus de trois enfants. Donc, du sens littéral, il a au moins trois enfants, et de ce qui est impliqué, implicité qu'il n'a pas plus de trois enfants, on aboutit au sens intuitif qu'il a exactement trois enfants. Mais au niveau du sens minimal ou du contenu minimal, on a une certaine proposition qui est exprimée dont on n'est pas du tout conscient. Donc la question qui se pose, une des questions qui se pose, c'est premièrement, est-ce que quand on interprète un énoncé, on doit calculer ce contenu minimal? Et la réponse que je tiens pour plus ou moins évidente est non. Et je dois dire qu'on peut discuter beaucoup de cela, mais sur la foi d'un certain nombre d'exemples où la proposition minimale est quelque chose... La proposition minimale est souvent extrêmement absurde dans beaucoup de cas. En tout cas, je pense que la plupart des théoriciens admettraient qu'on n'utilise pas cela. En fait, on va directement au contenu exprimé, qui lui fait appel à plus de pragmatique, sans passer par le contenu minimal. Certes, on passe par les valeurs minimales des différents parties, des mots, etc., mais on ne les met pas toutes ensemble, ces valeurs minimales, pour composer une proposition complète et pour ensuite passer à ce que le locuteur dit réellement. Ce qu'on fait, c'est qu'on assigne aux mots leurs valeurs, disons, minimales. À partir de là, par la pragmatique, on obtient des valeurs non minimales. Ça peut être par des métonymies, comme si je parle du sandwich au jambon et que je veux faire référence à la personne qui a commandé le sandwich au jambon. À ce moment-là, je prends tout de suite la personne qui a commandé le sandwich au jambon et c'est elle que je mets dans la proposition avec la propriété d'être parti sans payer. Je ne vais pas mettre le sandwich et la propriété de partir sans payer ensemble, ça n'a aucun sens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des constituants eux-mêmes, des parties, on a certaines valeurs minimales, on les enrichit pragmatiquement pour obtenir des valeurs ou on les transforme pour obtenir des valeurs qui soient plausibles contextuellement pour ces différentes parties et on les assemble pour obtenir la proposition exprimée sans jamais calculer ce qui résulterait de la prise en considération des seules valeurs minimales pour chacune des parties. Donc on peut être d'accord, et je crois que les minimalistes en sont d'accord, sur le fait qu'on n'utilise pas psychologiquement, ça ne fait pas partie du travail que fait l'interprète de calculer ces sens minimales. Donc ce que le minimaliste doit dire, c'est qu'on en a besoin dans la théorie, on a besoin de cette notion dans la théorie pour faire un certain travail, et personnellement j'ai tendance à mettre en doute qu'on en ait réellement besoin. Donc en fait, actuellement, la discussion porte sur le fait que ceci soit véritablement nécessaire, et beaucoup de gens le mettent en doute, enfin beaucoup de gens, moins de gens le mettent en doute que de gens ne l'acceptent. En tout cas, les gens du côté pragmatique ou contextualiste le mettent en doute. Et il y a une ligne d'argumentation, si je peux me permettre cette expression, plus radicale que j'explore en ce moment, et notamment j'en parle dans ce livre. C'est une forme radicale de contextualisme, qui revient à dire que non seulement cette proposition, le sens minimal, le contenu minimal, on ne l'utilise pas et il ne sert pas à grand-chose dans la théorie, c'est pas clair qu'il serve à quoi que ce soit, mais en plus ça n'existe pas au sens où c'est pas possible. En prenant simplement ce que les règles du langage nous donnent, ce que le sens des mots nous donne, ce n'est pas possible de fabriquer une proposition complète, un contenu complet à partir de cela. Et là il y a une sorte d'argument qui est que... Enfin, il y a plusieurs arguments, il y a plusieurs possibilités, je vais évoquer très brièvement les différentes possibilités pour soutenir cette idée que pour obtenir une vraie proposition, un vrai message, un vrai contenu, on a besoin de faire du tripatouillage pragmatique, on ne peut pas simplement se contenter d'assembler mécaniquement des composants qui nous seraient donnés par la sémantique, par les règles du langage.
Donc une première façon de voir les choses qui est relativement peu ambitieuse, disons, qui concède déjà beaucoup au point de vue opposé, c'est de dire qu'on peut admettre que le sens des mots, que les règles du langage, les règles sémantiques qui assignent aux mots certains sens, etc., donc l'essence des mots sont effectivement des choses qui pourraient aller dans l'interprétation, qui pourraient aller dans le contenu, dans le message, qui ont le bon format, disons, pour cela. Donc, chacun des mots fait une certaine contribution sémantique, a un certain sens, et on peut prendre ces mots pour fabriquer le message, oui. Mais, le hic, c'est que pour fabriquer le message, pour rassembler les pièces ensemble, bah c'est là le problème, c'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Enfin, les pièces d'un puzzle sont supposées aller ensemble, avoir une certaine forme, etc. Mais parfois, vous avez deux pièces, bah elles ne s'assemblent pas l'une avec l'autre. Elles ne s'assemblent que moyennant autre chose, disons. Elles n'ont pas forcément la forme qu'il faut pour s'assembler ensemble. Et la suggestion, c'est que il y a quelque chose d'analogue dans le sens des mots, même si le sens des mots est suffisamment déterminé pour qu'on puisse l'utiliser directement dans l'interprétation qu'on va donner de l'énoncé. Néanmoins, il faut faire quelque chose pour... Il faut les ajuster mutuellement, il faut ajuster ces sens mutuellement, il faut qu'ils aillent ensemble, il faut qu'ils soient relativement cohérents. Donc, c'est dans le processus de composition, on a le sens des parties donc, qui est OK, qui nous est donné par la sémantique, et c'est effectivement en composant ensemble ces sens des parties qu'on va obtenir un contenu, mais on ne peut pas le faire sans un certain travail d'ajustement ou de modulation. Et je voudrais, et qui lui-même est pragmatique, et dépend beaucoup du contexte, etc. Donc, je donne un exemple de phénomène d'ajustement pragmatique. Si j'ai la phrase « Paul entend le piano », tout va bien. C'est une phrase tout à fait... On comprend immédiatement ce que ça veut dire. Mais ce que je veux souligner, c'est le fait que ce processus de compréhension passe par une interprétation probablement du prédicat « entendre » qui n'est pas l'interprétation, le sens absolument primaire ou canonique de « entendre ». Je tiens que le sens primaire ou canonique de « entendre » entendre dans le sens primaire ou canonique dénote ou renvoie à une relation entre, disons, des agents, des organismes percevants, disons, d'une part, et d'autre part, des sons. Ce sont des sons qu'on entend. Donc, en un sens vraiment primitif, entendre, c'est entendre des sons. Si on prend ce sens de entendre, que j'appelle le sens entendre 1, premier sens, le sens basique, c'est un non-sens de dire qu'on entend le piano, parce que le piano, ce ne sont pas des sons. Donc, quand on dit qu'on entend le piano, ben, on a le choix, disons. Soit le piano, on ne le prend pas littéralement ici comme désignant cet instrument, mais on le prend de façon métonymique comme désignant les sons qu'il produit, de même que dans « Le sandwich au jambon est parti sans payer », on prend « Le sandwich au jambon » de façon métonymique comme renvoyant à la personne qui a commandé le sandwich au jambon. Première solution, on doit faire un ajustement pragmatique et remplacer la valeur littérale de « piano » par une valeur métonymique pour arriver à un tout cohérent, sans quoi ça ne marchera pas. Mais autre solution, et qui à mon avis est sans doute préférable, c'est de dire qu'en fait, on donne à entendre dans ce contexte un sens légèrement dérivé, et qui est d'ailleurs plus ou moins lui-même, qui est conventionnalisé aussi, un sens dérivé où entendre n'est pas une relation entre des organismes percevants et des sons, mais plutôt une relation entre des organismes percevants et des objets, qui ne sont pas des sons, sous la contrainte que les objets en question, enfin une relation qui a lieu, qui est réalisée, disons, lorsque les organismes en question perçoivent les sons que produisent les objets en question. Donc entendre le piano au sens 2, entendre 2 le piano, c'est entendre au sens 1 les sons que produit le piano, la musique que produit le piano. Donc une autre analyse, c'est de dire que dans la mesure où l'objet ici c'est le piano, c'est pas des sons, on est forcé de réinterpréter, entendre, d'interpréter entendre dans le sens 2 plutôt que dans le sens 1. Et dans les deux, enfin, quelle que soit l'analyse qu'on prend, on voit que si on a entendre en même temps que le piano, on a un petit mécanisme d'ajustement des valeurs sémantiques qui est nécessaire. On ne peut pas prendre entendre dans son sens basique, on ne peut pas prendre le piano dans son sens basique. Ça marche à condition qu'on puisse faire un petit ajustement. Et prenons un autre exemple où là, il semble véritablement qu'il n'y a rien, pas d'ajustement, que c'est le plus littéral, le plus normal possible. Un énoncé comme « la voiture est rouge », rien ne peut être plus simple que le mécanisme compositionnel qui, à partir du sens, de tous ces composants, nous donne le sens des parties. Mais n'oublions pas que du point de vue de cette sémantique, le sens que l'on doit obtenir, au final, c'est un contenu complètement déterminé.
un contenu qu'on peut lui-même évaluer. Dans un monde donné, on peut déterminer si le contenu est bien déterminé, si c'est vrai ou si c'est faux. Le contenu, un contenu déterminé, est quelque chose qui doit nous permettre d'associer l'énoncé à une situation, à un état de chose, tel que si la situation est réelle, l'énoncé est vrai, sinon l'énoncé est faux. C'est ça l'idée de condition de vérité. C'est comme ça qu'on juge si vraiment quelque chose exprime un vrai contenu représentationnel. Si quelque chose représente véritablement un état de chose, on doit pouvoir évaluer la représentation comme correcte ou incorrecte. Et on doit pouvoir juger si c'est vrai ou faux. Si on ne peut pas le juger comme correct ou incorrect, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'y a pas véritablement un contenu complet. Soit le contenu n'est pas complet, soit il est déviant d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas un vrai contenu, etc. Or, quand on dit « la voiture est rouge », on ne se rend pas compte, on interprète ça, c'est normal, on comprend immédiatement ce que ça veut dire. Mais, rouge, le mot rouge dans la langue signifie quelque chose, signifie rouge, il désigne une certaine couleur. Le mot voiture désigne, on sait très bien, tout ça, ça va. Mais quand on met ensemble voiture et rouge, on ne comprend cela. Nous, on le comprend. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce que ça veut dire pour une voiture d'être rouge. Mais ce que ça veut dire pour une voiture d'être rouge, ce n'est pas la même chose que ce que ça veut dire pour un livre d'être rouge. Un livre est rouge quand sa couverture est rouge, un journal est rouge quand ses pages intérieures aussi sont rouges. Une voiture est rouge quand il y a une certaine partie de l'extérieur, mais pas tout, pas les roues, pas le pare-brise, mais certaines parties, etc. Pour chaque objet complexe, être rouge pour cet objet, ce qui compte comme être rouge pour cet objet, sera différent suivant les objets. Ce ne sera pas les mêmes surfaces qui seront en question, etc. Chaussures rouges, ce n'est pas les semelles, le pamplemousse, enfin, le stylo. À chaque fois, on s'aperçoit que pour tous les objets, on a des conditions différentes d'application du prédicat rouge. Même si rouge désigne une couleur, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire pour une voiture d'être rouge tant qu'on n'a pas appris ce que c'est pour une voiture d'être rouge. Mais ça, cet élément de connaissance qui nous sert à comprendre la voiture est rouge, c'est de la connaissance du monde. C'est des choses des connaissances pragmatiques. Ce n'est pas le langage qui nous dit ça. Le langage nous dit simplement que rouge veut dire rouge, que voiture veut dire voiture. Mais pour mettre ensemble la chose, il nous faut plus. Alors ça n'apparaît peut-être pas parce que c'est un savoir ici stéréotypé qui est évidemment mobilisé immédiatement dès qu'on entend la voiture est rouge. Mais rien dans la phrase « la voiture est rouge » ne nous oblige à comprendre que la voiture est rouge comme une voiture doit l'être. Dans un contexte approprié, en disant que la voiture est rouge, on voudrait dire que ses roues sont rouges. Dans un certain contexte où la dimension pertinente qui aurait été mise à l'avant-plan, ce serait la couleur des roues. L'ensemble de contrastes serait des voitures qui seraient pareilles, sauf qu'il y en a qui ont les roues blanches, d'autres qui ont les roues rouges, d'autres qui ont les roues bleues. Là, la notion de voiture rouge prendrait, relativement à cet ensemble de contrastes, possiblement une valeur différente. Et disons que ce n'est pas parce que quelque chose est du savoir stéréotypé, et en quelque sorte généralisé, que cela cesse d'être de la connaissance du monde, des connaissances de type pragmatique et non des connaissances linguistiques. Je prends un autre exemple, qui est un exemple anglais de Searle. Searle prend en anglais les exemples de couper l'herbe, c'est-à-dire la tondre la pelouse. Cut the grass, il oppose ça à cut the cake, couper le gâteau. En disant qu'il y a une certaine façon de couper le gâteau, il y a une autre façon de couper l'herbe, et c'est des choses complètement différentes. Et quand on dit à quelqu'un, quand on lui demande de couper l'herbe, s'il arrive et qu'il coupe l'herbe comme on couperait un gâteau en prenant son couteau et en découpant des tranches, c'est pas du tout ça qu'on lui a demandé. Donc le contenu de l'ordre n'a pas été satisfait. Donc il y a eu une erreur d'interprétation. Donc ça montre que dans le contenu de l'ordre ou de l'assertion correspondance, il y a une certaine façon de couper qui fait partie des choses, mais pourtant cette façon de couper n'est pas signifiée linguistiquement, puisqu'on a ce même verbe couper qui, quand on l'applique à l'herbe, est interprété d'une façon, quand on l'applique au gâteau, est interprété d'une autre façon. Et on ne peut même pas dire que c'est au niveau du syntagme complexe, quand on a à la fois herbe et couper, que ça prend cette valeur, parce que rien n'interdit d'imaginer un contexte, et seul imagine un contexte où on est par exemple dans une boutique où on vend du gazon à des gens qui veulent avoir du gazon dans la journée, ça existe, donc des milliardaires qui commandent leur gazon dans la journée, à ce moment-là, on leur découpe, on leur découpe un morceau de gazon, et on va leur installer directement, et à ce moment-là, on peut très bien dire, coupe l'herbe pour... on peut très bien, dans ces cas-là, où on peut imaginer, il y a aussi un exemple de genre, dans une situation extrêmement bizarre de science-fiction, où les gâteaux d'anniversaire grossissent très 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 vite et menace d'occuper tout l'espace et il faut sans arrêt passer dessus avec la tondeuse à gazon, enfin c'est le truc qu'on a trouvé pour les raccourcir rapidement, etc. Et donc là, dans un contexte de genre, cut the cake aurait le sens. Donc il n'y a rien de linguistique qui nous force à interpréter couper l'herbe dans le sens où on l'interprète ou couper le gâteau dans le sens où on l'interprète. Pourtant, dans le contenu,
on a ces éléments, disons, d'interprétation qui interviennent. Alors, bien sûr, on pourrait soutenir que ces éléments d'interprétation, ils interviennent dans le sens ici, dans le sens qui est déjà pragmatique, où on ajoute des choses qui ne sont pas nécessaires linguistiquement, mais qu'on a quand même le sens minimal. Mais le point de vue contextualiste le plus radical, c'est de soutenir qu'en fait, on ne peut pas avoir, qu'on est forcé d'avoir des éléments de ce genre quelque part. Disons qu'on ne peut pas avoir un contenu complet suffisamment déterminé si on ne fait pas certaines hypothèses d'arrière-plan. Et un exemple qu'on peut donner, c'est enfin, des exemples réels. Searle dit, qu'est-ce que ça veut dire couper le soleil? On n'a aucune idée, comme on n'a pas d'idée de ce que ça peut vouloir dire, on n'est pas capable de dire vraiment quel est le sens minimal. Alors évidemment, des minimalistes diront, si, si, on sait ce que ça veut dire, mais ce n'est pas complètement clair. Et moi, j'ai un exemple réel qui vient d'un film, d'un vieux film des années 30, je crois. Enfin bon, en tout cas, c'est l'acteur principal dit à un moment, à un autre interlocuteur, dit « désarmer la fricassée ». Et on ne sait pas ce que ça veut dire, désarmer la fricassée. En contexte, quand on voit le film, on sait exactement ce que ça veut dire, quelles sont les conditions de vérité, quelles sont plutôt les conditions d'obéissance de cet ordre. On sait ce qui doit être fait. Mais hors contexte, on ne le sait pas. Donc on peut soutenir que, à cause de ce nécessaire travail d'ajustement qu'on a besoin de faire, ce travail d'ajustement lui-même ne peut se faire que si on a certaines idées concernant l'arrière-plan, le contexte de quoi on est en train de parler. Si on est totalement dans le vide, on ne peut pas vraiment faire ce travail d'ajustement. Ou plus exactement, on peut le faire en faisant des hypothèses sur des contextes possibles, donc on a des interprétations possibles, et on peut peut-être construire une disjonction d'un certain nombre d'interprétations possibles qu'on peut construire, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc le sens minimal serait simplement une disjonction de sens possibles qu'on pourrait exprimer dans des contextes différents, mais pour avoir vraiment du contenu, il faut quand même avoir de telles hypothèses d'arrière-plan. Donc ça, c'est une possible argumentation, mais une autre argumentation qui vient tout naturellement à l'esprit, surtout en France, parce que enfin, beaucoup de théories de ce genre ont été soutenues, c'est de dire que le sens des mots, dont j'ai supposé jusqu'à présent que ça pouvait aller, ça avait le bon format, ça pouvait aller directement dans l'interprétation, moyennant ajustement, on peut soutenir qu'en fait non, le sens véritable des mots, ce qui est encodé dans la langue, c'est des choses extrêmement abstraites, que par exemple si on prend un mot polysémique, y a en fait toutes ces valeurs des mots polysémiques procèdent d'une seule valeur en langue véritablement, mais extrêmement abstraite, et que pour arriver à, quand on construit le contenu d'un mot dans un contexte donné, enfin dans une phrase donnée, on est forcé d'élaborer ce sens extrêmement abstrait, de l'enrichir, et qu'il y a une partie de ce travail qui est pragmatique, parce que ce qu'on utilise notamment dans ce travail, c'est non seulement les autres mots de la phrase, mais également des connaissances sur l'environnement et sur le contexte où apparaît la phrase. Donc une possibilité, c'est de dire que le sens des mots est très abstrait, trop pauvre pour aller tel quel, pour avoir le bon format, pour aller tel quel dans l'interprétation, il faut le travailler. Et une autre façon inverse de voir les choses, c'est de dire que le sens des mots, c'est trop riche. C'est une base de données, éventuellement comportant beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, et il faut, pour arriver dans un contexte particulier, avoir le sens que prend le mot dans ce contexte pour arriver à un contenu, il faut écarter plein de choses, éclairer certaines, au contraire, mettre entre parenthèses d'autres. Il faut, là encore, faire un certain travail de sélection. Si on admet ça, on voit que il n'y a pas de, les mots eux-mêmes, en vertu simplement du sens qu'ils ont et des règles linguistiques, ne vont pas par eux-mêmes nous donner un contenu complet. Il faut un certain travail actif de l'esprit pour fabriquer ce contenu complet. Et il y a encore des théories encore plus radicales, notamment une théorie que j'appelle meaning eliminativism, l'élimination du sens, qui carrément supprime l'idée que les mots posséderaient en eux-mêmes une signification linguistique hors contexte et ne joueraient que sur les sens contextuels que prennent les mots. Depuis le moment où on entend le mot pour la première fois dans une situation particulière, on garderait plus ou moins en mémoire les situations d'emploi, et à chaque nouvel emploi du mot, on ferait un calcul de similarité entre la nouvelle situation et les anciennes situations. Et évidemment, dans un calcul de similarité, les dimensions de similarité jouent un rôle fondamental, et ces dimensions de similarité pertinentes varieront en fonction des contextes, des intérêts des participants. Et si on admet ce genre de théorie, on a une fluidité, une flexibilité maximale du sens, et on n'a plus du tout, évidemment, de contenu exprimé par les mots eux-mêmes. Là, la contextualisation devient radicale dès le premier moment. On n'a même plus cette idée de sens littéral hors contexte dès le premier niveau. En tout cas, tout ça, ce sont des voies de recherche pour essayer de montrer que ces options contextualistes ne sont pas exclues face à un environnement dont je dirais qu'il est en un sens hostile, parce que, encore une fois, cette tradition littéraliste a obtenu, par l'usage de ces outils logiques si puissants, des résultats très importants dans la recherche sémantique sur le sens, sur la compositionnalité, etc. Donc, en un sens, il s'agit de heurter les présupposés de cette approche en prenant la direction, disons, résolument pragmatique que je prends. Mais en un autre sens, même dans cette tradition, disons, de la sémantique formelle, on a tellement été de plus en plus dans le sens de
finalement d'accepter et de théoriser la dépendance contextuelle de, et on, en même temps on a tellement de plus en plus de moyens d'accepter de, et de théoriser des phénomènes de type pragmatique et de les intégrer même à l'édifice global de ces processus compositionnels, etc., que finalement il y a une ouverture d'esprit de plus en plus grande qui fait qu'il y a quand même un intérêt qui se fait jour pour ces approches plus radicales qui, encore une fois, correspondent au mouvement général de l'évolution de la théorie depuis le début du siècle, puisqu'on est allé d'une position vraiment très radicalement littéraliste à de plus en plus en direction du contextualisme qui pourrait être la prochaine étape. Donc moi, je me contente d'essayer d'anticiper les choses en présentant les grandes lignes de force de ce que pourrait être cette étape de théorisation. Voilà. Merci pour cet exposé vraiment magistral. Il y aura énormément de questions, naturellement. J'aimerais bien poser une question. En fait, en vous écoutant, je me suis pensé à certains travaux en pragmatique formelle, enfin, de l'école de logique d'Amsterdam, enfin, ou de René Descartes, par exemple, enfin, qui effectivement, elle parle uniquement d'une pragmatique formelle et pas plus totalement de la sémantique. Donc, de cette façon, à la limite, ma question est... Vous-même, est-ce que vous allez si loin pour évacuer carrément le sens littéral, ou disons la signification linguistique, en considérant que, il n'y a plus ce champ de sens conventionnel établi pour de langues naturelles, enfin, de toute façon, et que tout est plus ou moins œuvre d'interprétation ou de. Dans des contextes, situations particulières, ou est-ce que vous gardez quand même encore quelque part, enfin, cette distinction entre la signification linguistique, enfin, sous forme d'une convention, quelque chose comme ça, et après qui est interprété, réinterprété en contexte Donc, le côté pragmatique formel, ça c'est autre chose. Moi, je ne suis pas expert, j'ai tendance à voir au contraire la pragmatique formelle comme faisant une sorte d'unité avec la sémantique formelle, c'est une sorte de monde. C'est le même monde, non, mais disons, enfin, je ne fais pas vraiment les différences là, mais en tout cas, comme je ne connais pas assez, je ne vais pas en parler. Pour cette question de jusqu'où on peut aller dans le contextualisme, à vrai dire, ça m'amuse beaucoup de montrer que ce n'est pas complètement absurde la position la plus radicale qui se dispense de la signification linguistique, que primo, j'essaie de montrer qu'on peut... Il y a des gens qui croient, moi-même j'ai longtemps cru, avoir des arguments qui permettent de se débarrasser de ce genre de position tout de suite. Par exemple, l'argument selon lequel tout ne peut pas être contextuel, comme le prétendrait cette théorie, puisque si c'était le cas, on pourrait remplacer n'importe quel mot par n'importe quel autre, ça n'avait pas de signification linguistique conventionnelle, et le résultat serait le même. Très mauvais argument, parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire que les mots n'ont rien qui les distingue les uns des autres sur le plan sémantique. Quand je dis que dans cette perspective la plus radicale, il n'y a plus de signification littérale, je veux dire que les mots possèdent quelque chose qui est leur contribution à chaque fois qu'on met ce mot dans une phrase, par opposition à un autre mot, mais ce quelque chose n'est pas une signification qui serait calculée une fois pour toutes, disons quand on aurait maîtrisé le langage. Je remplace cette signification littérale au sens traditionnel par quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose. Et ce quelque chose serait un potentiel sémantique qui, par exemple, pourrait être l'ensemble des situations d'emploi passées ou des représentations correspondant aux situations d'emploi passées. Et il est clair que chaque mot serait associé à des situations différentes et que ça leur donnerait un profil à partir duquel on pourrait voir comment les mots ont un impact différent sur le calcul du sens dans une nouvelle situation. Donc il y aurait quelque chose qui ferait l'office quand même de ce que le mot apporte. Donc les mots continueraient à apporter quelque chose. Donc ça m'importe de répondre à ce genre d'objection et de montrer qu'en fait cette théorie est possible. Ça m'importe aussi de m'apercevoir qu'il y a eu déjà des tentatives, notamment un psychologue, Douglas Hintzman, qui était un théoricien de la catégorisation et qui, dans le cadre de recherches qui ne sont pas du tout des recherches sur le langage, mais il a fait des propositions qui sont déjà assez avancées et qu'on pourrait réutiliser en sémantique. Je pense aussi que un certain nombre aussi de psychologues ou de gens, disons d'orientation connexionniste, ont fait des propositions qui pourraient être analogues. Donc je trouve cela intéressant d'explorer cela, de s'apercevoir que ce sont des possibilités réelles. Et sur le plan ontologique, je trouve que philosophiquement, c'est bien de se débarrasser d'une chose aussi mystérieuse que la signification des mots, qui est une chose un peu mystérieuse. On sait bien que la signification des mots est quelque chose qui doit, comme on dit, supervenir, qui doit dépendre d'autres choses plus réelles.
Et que notamment les emplois particuliers des mots, c'est quelque chose qui est plus réel que cette signification abstraite qui ne peut qu'émerger à partir de ces emplois. Finalement, tout le monde admet d'ailleurs que l'enfant qui apprend le langage doit abstraire le sens littéral des mots à partir des emplois qu'il observe. Et que moi, ce que je me contente de dire, c'est que ce processus d'abstraction du sens littéral et le processus de modulation du sens littéral à laquelle on assiste d'ajustement quand on emploie le mot dans un contexte particulier, on pourrait fusionner ces deux processus en un seul et faire qu'à chaque fois qu'on emploie le mot, on réabstrait de façon modulatoire et en tenant compte du contexte un sens à partir des emplois précédents du mot, sans qu'on soit forcé d'avoir une étape intermédiaire fixée une fois pour toutes de calcul du sens littéral et deux processus. Mais bon, ça m'intéresse de voir qu'on peut explorer cette piste. Je n'y crois pas véritablement parce que c'est difficile. Enfin, il me semble clair que même si on arrive à faire les choses de cette façon, il faudra reproduire la notion intuitive normale de sens littéral. Il faudra avoir quelque chose dans la théorie qui fasse l'office de cela. Il faudra, la plupart des notions intuitives que nous utilisons en sémantique, on devra les recapturer à partir de ce cadre théorique où elles ne seront pas prises comme des choses primitives. Mais je pense que c'est un progrès philosophique qui aura été fait si on peut faire cette élucidation. La vraie difficulté tient au fait que quand on fait une analyse concrète d'exemple, ou quand je discute, ou par exemple si on veut discuter avec les gens en sémantique formelle, il n'est pas question de se passer de quelque chose, d'une hypothèse sur la signification littérale. Disons que concrètement, moi-même, je n'arrive pas du tout à m'en passer. Donc philosophiquement, je peux décrire ce que pourrait être une théorie de la signification qui, justement, n'utiliserait pas la notion de signification comme quelque chose de primitif. Mais ça ne veut pas dire que dans la pratique de l'analyse sémantique, on pourrait faire grand-chose avec cela. Et d'autre part, cette théorie vise essentiellement à donner une part très importante à la fluidité, à la flexibilité du sens, à vraiment mettre ça au cœur, à dire que c'est un phénomène important qui a été trop négligé jusqu'à présent. Et donc j'essaie de pousser les choses aussi loin que possible dans cette direction-là. Mais il y a aussi autre chose qui est cette espèce de stabilité du sens inter-individuel et intra-individuel, cette finesse aussi de nos jugements sémantiques sur le sens des mots et tout ça. Et ça, il faut en rendre compte. Il n'est pas certain que dans un cadre aussi fluide que celui que je propose dans mes moments les plus radicaux, il n'est pas certain qu'on puisse rendre compte de cela. Donc je suis finalement assez ouvert, mais je propose d'explorer toutes ces pistes, les plus radicales et les moins radicales, et de voir à la fin ce qu'il faut défendre comme étant la meilleure position possible. Justement, une question aussi, plutôt une question d'un point de vue linguistique, proprement dit, enfin, de langue. Est-ce que vous ne croyez pas que l'image qu'on se fait de la signification linguistique n'est pas quand même avant tout d'une théorie linguistique, d'une théorie linguistique des langues. Ce que je veux dire, par exemple, quand vous citez des exemples là de couper l'herbe, enfin, couper les gâteaux, à la limite, tout dépend de la théorie sémantique descriptive que j'utilise, vraisemblablement pour décrire, mettons le sens linguistique, enfin, de se couper horizontalement, horizontalement ou verticalement, avec ou sans instrument, ou si je me contente d'une description plus sommaire, enfin, parce que la théorie linguistique n'exige pas plus. Ou aussi, par exemple, est-ce que vous ne croyez pas que cette question, finalement, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a... Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette distinction entre la phrase au sens linguistique et l'énoncé, de cette façon, qui exprime d'une manière plus ou moins condensée, plus ou moins trouée, une phrase, enfin, disons, des schémas phrastiques, enfin, c'est la façon qu'on peut imaginer qu'il y a des représentations, des descriptions linguistiques, enfin, syntaxiques ou sémantiques extrêmement riches, fines, qui, pour fi, certaines façons, constituent la signification linguistique, ou peut-être des descriptions relativement pauvres. Enfin, oui. Pour ce qui est de l'analyse sémantique plus ou moins fine qu'on peut donner, disons, de syntagmes comme couper l'herbe ou des choses de ce genre, je pense que, bon, c'est certain qu'il y a toute une série de possibilités, mais je pense qu'ici, on a un test, disons, empirique, qui est que on a des intuitions sur les situations dans lesquelles, effectivement, les phrases, par exemple, seraient vraies ou les actions seraient accomplies. Et nos intuitions font ou ne font pas intervenir certaines distinctions. Donc, je pense que la théorie doit essayer de respecter la finesse de grain qui est effectivement présente au niveau des intuitions correspondantes. Donc, on a un critère pour juger si une théorie, justement, trop fine, elle fait des distinctions qui sont impertinentes dans le monde, philosophiquement, pour parler de ces choses-là, mais pas pour ce qui est pour correspondre au langage. Pour correspondre au langage, en tant qu'analyse du langage, il faut faire simplement les distinctions
qui sont accessibles aux utilisateurs du langage en vertu de leur maîtrise du langage. Et là, le problème, c'est que, enfin, moi-même, je donne un rôle très important à ces intuitions. Je pense que justement, à partir du moment où, d'ailleurs, on s'éloigne des règles du langage en disant que les contenus ne sont pas fixés seulement par les règles du langage, on a besoin de quelque chose pour nous guider. Et ce quelque chose pour nous guider, ce sont les intuitions, mais les intuitions, selon moi, c'est toujours les intuitions du sens que prennent les mots en contexte. Et même quand on prend des phrases hors contexte et qu'on essaie d'avoir des intuitions sur ce que ces phrases veulent dire, je pense que ce qu'on a, c'est simplement des intuitions sur ce qu'on pourrait dire en contexte avec ces phrases, sur des sens contextuels possibles. Donc je ne suis pas certain, comme la plupart des sémanticiens, qu'on ait des intuitions qui soient purement, des intuitions sémantiques qui soient purement, qui concernent seulement les mots eux-mêmes, seulement la signification linguistique. Mais c'est un assez gros problème en fait. Parce que si les intuitions que nous avons, ce sont des intuitions sur le sens exprimé, sur le contenu, et si cela dépend de facteurs pragmatiques, du fait que certains contextes sont plus immédiatement accessibles à notre imagination que d'autres, ou sont évoqués par le contenu des mots, des autres mots de la phrase, etc. Si c'est le cas, il y a beaucoup d'aspects des choses, des distinctions justement, qu'on voudra juger être pertinentes, comme par exemple la façon de couper l'herbe, qui est, manifestement, ça fait partie de ce que, si on demande à quelqu'un de couper l'herbe, c'est tout à fait pertinent. Mais peut-être qu'il y a d'autres contextes où ça ne serait pas pertinent. Il y aura certaines distinctions qui sembleront pertinentes, bien qu'elles soient pragmatiques. Oubliez tous ces aspects pragmatiques de l'interprétation. Concentrons-nous sur le noyau qui est vraiment là, simplement en vertu de la connaissance de la signification linguistique. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas un accès intuitif direct. On est forcé simplement de prendre les sens intuitifs qui sont contextualisés, même quand il s'agit d'intuitions qui ne font pas appel à des connaissances explicites concernant des contextes possibles. Il s'agit de, à partir de connaissances sur les sens que pourraient contextuellement exprimer ces mots, il s'agit de, à partir de là, d'extraire éventuellement ce qu'il y a de commun. Mais on n'a pas d'intuition directement là-dessus. Et donc je suis d'accord avec la méthodologie minimaliste. Il faut essayer de restituer la signification linguistique, ce savoir qu'on a sur la langue. Il faut essayer de théoriser dessus, mais on ne peut pas théoriser directement à partir de nos intuitions. Et surtout, ce serait une grave erreur de croire que simplement cette connaissance de la langue, la connaissance de ces éléments purement linguistiques, de ce savoir noyau, disons, puisse nous permettre de nous former des représentations d'état de choses, du genre de représentations qui correspondent à nos intuitions quand on a des intuitions sur les conditions de vérité possibles ou les contenus possibles des énoncés. Je pense qu'il y a vraiment deux niveaux différents. Il y a le genre des contenus des pensées, le contenu des actes de parole, les contenus déterminés, le contenu de nos intentions, etc. Et aussi les contenus qu'on attribue aux énoncés en contexte, ou qu'on peut en imagination attribuer à une phrase, quand on imagine que cette phrase pourrait être énoncée. Et donc tout ça, c'est des contenus déterminés. Mais d'autre part, on a les significations des phrases, et le but de la théorie sémantique, c'est effectivement d'essayer de dire ce que sont ces significations, quelles contraintes elles imposent sur les contenus. Mais cette idée littéraliste que les significations elles-mêmes sont ou déterminent de façon directe et immédiate des contenus me paraît philosophiquement tout à fait douteuse. On ne peut pas supposer cela pour acquis, même si on est attiré par ce que j'ai appelé l'approche représentationnaliste, à cause de sa robustesse et de l'idée finalement que cette notion de représentation est plus facile à manier que la notion générale de sens. Je pense quand même que cet acte de foi littéraliste ne peut pas ne pas être questionné du point de vue philosophique. Encore une question, s'il vous plaît. En ce qui concerne justement ce passage de la signification, disons, le sens exprimé, est-ce que c'est une sorte un acte de désambiguisation ou un acte de sélection de... Vous avez dit effectivement, il y a la signification linguistique, vous représentez un peu comme une sorte de... les mots représentent une certaine potentialité de sens. Et puis, au niveau du sens exprimé, c'est une façon, le locuteur, lui, il actualise, oui, cette façon, à l'intérieur de cette potentialité, dans un certain sens. Et cette actualisation, c'est fait en termes de sélection, de traits ou, En fait, il y a bien sûr des phénomènes de désambiguisation et de sélection. J'ai même pas besoin de donner des exemples, ça va de soi. Mais ça n'est finalement une petite partie. Évidemment, cette sélection, cette désambiguisation, elle est pragmatique au sens où on la fait en tenant compte de ce que le locuteur peut bien vouloir dire. Dans un certain contexte, on se doute qu'il va parler de ceci, dans un autre de cela, etc. Mais si c'était seulement de la sélection, il n'y aurait pas de problème. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que
il y a des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes de sélection, mais plutôt des phénomènes de création, des phénomènes génératifs où un sens est construit, non pas par sélection à partir d'une liste préétablie de sens possibles, mais simplement parce que, de façon non créative, on a donné une valeur, un mot, parmi, non pas une liste préétablie, mais un nombre indéfini de valeurs possibles que l'on peut créativement donner à ce mot. Et cela peut se faire de différentes façons. Il y a certains cas où il y a quelque chose dans le sens qui nous oblige à faire cela. Prenons le cas simplement que j'ai donné tout à l'heure, le génitif « le bateau de Jean ». Là, on a comme une variable qui nous dit qu'il faut trouver une certaine relation entre le bateau et Jean, une relation saillante, telle que le bateau de Jean soit le bateau qui a cette relation à Jean. On n'a pas une liste préétablie de relations possibles, n'importe quelle relation, on peut en découvrir des nouvelles tous les jours. Donc on n'a pas cette espèce de contrainte de sélection, il faut simplement trouver une relation. Dans d'autres cas, il peut s'agir de construire un sens. Par exemple, en anglais, on a la possibilité de fabriquer un verbe à partir d'un nom propre. Par exemple, on peut dire « to Napoleon », napoléonisé, disons. Et il n'y a pas de sens lexical pour ce mot qui est déjà donné dans la langue. On a simplement cette ressource linguistique de pouvoir fabriquer un verbe de cette façon. Et on sait donc le nom désigne un individu. Et le verbe va prendre un sens que l'on va construire en contexte à partir de ce que l'on sait de l'individu. Et en supposant que faire le napoléoniser, disons, c'est se conduire peut-être comme Napoléon sous certains aspects pertinents. Les aspects pertinents eux-mêmes vont être contextuels. Donc on va vraiment construire un sens pour les besoins de cette expression qui elle-même a été construite en contexte. Et là, il n'y a pas une liste préétablie de sens possibles. Il va s'agir d'en construire un. Donc on a, dans tous ces cas, quelque chose de linguistique qui nous force à trouver une certaine valeur, qui n'est pas forcément sélectionnée dans une liste préétablie, mais on doit, disons, assigner une certaine valeur, éventuellement de façon créative, à une expression qui le demande, à une expression qui peut servir comme inclure une sorte de variable. Mais par ailleurs, pour des expressions qui possèdent un sens défini dans le lexique, le travail pragmatique qui, à mon avis, conduit au contenu, et qui va au-delà de ce que demandent les règles du langage, peut consister, à partir de cette valeur préétablie, ou d'une valeur sélectionnée parmi plusieurs valeurs préétablies, on peut transformer ou enrichir cette valeur par métonymie, par métaphore, par enrichissement, par appauvrissement, toutes sortes de choses sont possibles. Donc on interprétera dans tel contexte, coupé de telle façon, dans un autre contexte d'une autre façon, et là aussi, on peut également, encore une fois, donner des valeurs métaphoriques qui seront, elles aussi, très créatives. Il n'y aura pas de limite dans les possibilités. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins conventionnalisées. Donc je peux dire que le distributeur de billets a avalé ma carte. Et ce que je veux dire ici par avaler, c'est pas avaler au sens exactement littéral où un être vivant avale, mais c'est quelque chose qui ressemble. Donc on fabrique un concept d'avaler, un concept ad hoc d'avaler, qui est adapté au cas dont on parle, c'est le cas du distributeur. On sait très bien ce que font les distributeurs avec les cartes dans certains cas, c'est ça qu'on veut dire. Donc là, on a fabriqué à partir du sens normal de avaler, un sens approché, un sens ajusté qui convient au distributeur. Et on pourra parler d'autres choses, on pourra dire que un autre objet qu'on n'a encore pas inventé avalera autre chose d'une autre façon. Et il n'y a pas de limite dans les concepts que l'on peut exprimer par ce même mot avaler, par des ajustements à chaque fois différents. Donc là, il ne s'agit pas du tout de sélection, il s'agit vraiment de création, de génération de sens. Encore une dernière question, si vous permettez. Je voudrais revenir à un point que vous avez développé tout à l'heure, enfin, c'est sur le sens réflexif, en faisant allusion à Strauss et à Ducrot aussi, le discours qui parle du discours. Vous avez gentil, si vous de réexpliquer encore une fois, plus particulièrement ce point. Oui, enfin, disons que il y a plusieurs façons d'approcher, de voir ces choses, mais une idée, c'est que par exemple, si on prend la théorie des actes de parole dont j'ai parlé au début, j'ai dit qu'il y avait deux composants du sens. Il y a un composant pragmatique où un énoncé nous dit qu'il est un ordre, qu'il est une affirmation, nous dit ce qu'il est, disons.
il nous révèle ce qu'il est, et de fait, il y a des indicateurs spécifiques dans les phrases pour nous dire cela, comme le mode impératif ou des choses de ce genre, d'une part. D'autre part, il y a les aspects du sens qui relèvent du contenu de ce qui est ordonné, de ce qui est asserté, etc. Donc, c'est les aspects descriptifs. Et j'ai dit qu'il y avait peut-être des possibilités d'unifier ces deux aspects. Et une façon d'unifier cela, ce serait de dire que quand on parle, on accomplit un acte de parole, d'unifier cela au niveau de la signification de la phrase. Quand on parle, on accomplit un acte de parole, par exemple, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, ou on affirme que quelque chose est le cas, etc. Et on pourrait dire que la signification de la phrase n'est qu'une image de l'acte de parole qu'on peut accomplir par cette phrase. Donc, une phrase, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle signifie, c'est que une occurrence de cette phrase sert à accomplir un acte de parole de tel type avec un contenu de tel type. Donc la signification d'une phrase ne serait rien d'autre qu'une image de ce qu'elle-même la phrase est utilisée pour faire ou sert à faire. C'est une occurrence de cette phrase sert à faire. Et c'est l'idée de token réflexivité, c'est que dans la signification, donc les tokens c'est les occurrences des mots, quand les mots sont prononcés effectivement ou apparaissent dans un contexte particulier, et ça s'oppose au type, où le mot comme type c'est le mot lui-même qui peut apparaître dans tel ou tel contexte. Et l'idée c'est que la signification linguistique du type, c'est la signification linguistique qu'on assigne aux mots eux-mêmes, nous dit quelque chose concernant le statut ou ce que va faire ou ce que sert à faire une occurrence quelconque de ce mot. Et donc l'idée de Reichenbach de token réflexivité, c'est que la signification du type renvoie au token, renvoie à l'occurrence, et nous dit ce à quoi sert cette occurrence. Et à partir du moment où une occurrence est prononcée, où on n'a plus seulement le mot comme type, mais une occurrence particulière, on a la réflexivité, c'est que l'occurrence se qualifie elle-même, et par exemple, une occurrence d'un énoncé à l'impératif, à travers le mode impératif dans cette occurrence, dit d'elle-même qu'elle sert à accomplir un ordre, par exemple. Et c'est une information qui, évidemment, est très importante pour l'interprète, puisque l'interprète, simplement interprétant cet aspect du sens, va dire ah, cet énoncé sert à accomplir un ordre, donc à partir de là, il est à même de comprendre l'action qu'est en train d'accomplir le locuteur, et il est à même de comprendre ce que le locuteur veut dire ou veut faire par son énoncé. Donc là, de façon très simple, on a une théorie possible qui est assez proche en fait de certaines des idées qu'avait Ducrot à l'époque où il développait aussi ses idées réflexives. Donc une façon de voir la signification linguistique, c'est de dire que la signification linguistique, c'est un potentiel d'acte illocutionnaire, et un potentiel d'acte illocutionnaire, c'est une image de l'acte illocutionnaire accompli par son énonciation. Et la façon dont s'exprimait Ducrot, c'est de dire que tout énoncé, le sens de tout énoncé est une image de son énonciation. Un énoncé s'auto-caractérise ou se présente comme ayant telle et telle valeur, etc. Et encore une fois, le problème quand on dit cela, c'est qu'il y a des aspects du sens qui semblent porter sur autre chose que l'énoncé, soit rapportés au monde et pas à l'énoncé lui-même. Mais on peut unifier, notamment, je viens de le dire comment, avec la théorie des actes de parole, en disant finalement que le contenu descriptif, ce par quoi l'énoncé se rapporte à quelque chose d'autre que lui-même, ce n'est autre que le contenu de l'acte de parole, et donc en nous renseignant sur en évoquant ce contenu, l'énoncé ne fait que caractériser un aspect de l'acte de parole que lui-même sert à accomplir. Donc cet aspect réflexif prend le pas sur les autres aspects. Mais bon, ce n'est qu'une façon, il y a différents cadres théoriques pour présenter cette idée, et simplement, je pense qu'il y a un air de famille entre toutes ces théories, donc c'est pourquoi je mentionnais Benveniste, Reichenbach, Perry, Ducrot, tout ça comme allant dans ce sens. Monsieur Ricard, merci beaucoup. C'est moi.